Mm-hmm. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. Avant toute chose, et eh bien j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2022. La santé avant toute chose, hein, car c'est la santé qui vous permettra effectivement eh bien, de réaliser vos projets personnels et professionnels. Et après ça, eh bien je vous souhaite aussi eh bien une Plein de réussites hein, dans ces futurs projets. Moi j'en ai plein en tête. Alors déjà j'ai des résolutions. Il hein, va falloir que je reprenne un peu, euh, je dirais, la, la, la forme et un peu plus de rigueur vis-à-vis de -vis, euh, mon travail euh, au quotidien. Et sachez que voilà, il y a plein de petites choses qui sont en préparation. Alors des choses que vous verrez ou vous ne verrez peut-être pas. On va voir hein, en fait ce qui va être mis en place avec le temps et si on va réussir finalement à convaincre des gens pour que finalement eh bien cette chaîne puisse grandir euh, petit à petit. En tout cas, qui dit nouvelle année, et eh bien dit aussi nouvelle saison de Chromebook en live. On est déjà, enfin, déjà, on est, on est arrivé à, au moins à la deuxième saison de Chromebook On Live. Hein. J'ai lancé ce concept il y a un peu, il y a à peu près un an et bah, chaque mois, j'ai réussi à dérouler plus ou moins un, un ou deux épisodes, en tout cas pour rattraper aussi le, le retard hein, avec les objectifs que j'avais, je, je m'étais mis en tête. Hein. Et en tout cas, bah, je suis content de vous y retrouver. Et là, on est au 13e épisode de cette émission qui est la première euh, émission francophone autour des actualités Chromebook, pardon, Chromebook et Chrome OS. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Fred, le fondateur du site chromebooklive.com et j'ai également cette chaîne YouTube sur laquelle je fais pas mal de reviews de matériel avec un scope un peu plus large, hein, on va dire, sur de la tech un peu généraliste. Parce qu'avant d'être... Chromebookophile, je suis, euh, je, suis, euh, je suis technophile. En tout cas, cette émission en principe c'est que c'est une capsule d'actualité, capsule technologique d'actualité donc euh on va dire que l'émission en tant que telle va durer à peu près une heure où je vais balayer un peu les actualités et balayer certaines thématiques. Et en deuxième partie de cette émission, eh bien on basculera un peu en mode chat, échange, parce que bah voilà, on a la communauté qui est, qui est mise à disposition. N'hésitez pas à discuter entre vous au travers du chat et on échangera bien évidemment durant surtout cette deuxième partie. Mais du coup, cette première partie que vous voyez en live, elle est, elle sera sous peu disponible également au format podcast, donc sur Spotify sur Google Podcast, sur Apple Podcast. Quelqu'un m'a demandé sur Deezer, il faut que je vois comment je, je, je peux faire pour porter euh, sur cette plateforme-là, puisque effectivement je passe par un agrégateur, euh, je dirais, de, de, un distributeur de, 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 de podcasts, tout bonnement. Donc ça veut dire que je ne fais pas la démarche un par un, hein, tu passes par l'agrégateur, il te distribue en fait le flux sur euh, différents, euh, différents canaux. En tout cas, merci d'être présent. Je vois qu'on est déjà eh bien, près d'une trentaine. Hein. On est 27 exactement connectés en simultané. Ça fait plaisir de revoir encore une fois certains noms et surtout des nouvelles têtes hein, qui, n'hésitez euh, qui, qui, bah, pas à vous présenter. En tout cas, comme ça, on fera un peu tous connaissance. Je sais que, il me semble, si je dis pas de bêtises, euh, attendez, 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 j'ai bien Jean-Michel Dubois qui est présent en tant que modérateur sur, sur le chat, hein, qui lui est pro Android. Normalement, on va avoir Monsieur Michou qui va peut-être arriver et qui qui est pro à Apple, hein. leur rôle c'est évidemment de faire en sorte que le chat roule bien, tout en politesse, sans insulte Mais finalement, vu qu'on a quelqu'un qui est pro Android et quelqu'un, enfin, pro Google pardon, et, et quelqu'un d'autre pro Apple, bah en fait le clash il risque d'être entre ces deux personnes. Donc n'hésitez pas vous, en tant que téléspectateur, et eh bien <laughs> de modérer un peu le chat quand, quand c'est nécessaire. Bon blague à part, merci encore une fois pour ta présence Jean-Michel et pour la future présence, je l'espère, de Monsieur Michou qui doit être en train de, de, de dîner euh, très probablement. Dernière petite chose avant qu'on se lance parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de choses à dire. Eh bien, si vous souhaitez me soutenir et eh bien dans toutes ces démarches, dans toute cette aventure. Hein, moi, j'aime bien dire aventure pour globaliser un peu l'ensemble de tout ce que je fais, euh, que ce soit sur Chromebooklive.com, TechLive ou bien l'émission Chromebook on Live que vous êtes en train de regarder. Eh bien, le pouce bleu, bien évidemment, le partage sur les réseaux sociaux auprès de vos amis ou des gens qui sont voilà déjà technophiles mais qui ne connaissent pas tant que ça les Chromebooks. Ou vous, vous avez mis un pied dedans, vous êtes plutôt convaincu et vous souhaitez Prêchez la bonne parole. <laughs> On va éviter de faire le gros. Mais en tout cas, vous m'avez compris. N'hésitez pas à m'aider. Ce serait déjà exceptionnel de, euh, de faire ça. Et donc, si vous voulez me suivre, ce sera principalement sur Twitter et également sur Instagram au travers du, 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 du compte Chromebook Live. Tout bonnement. Tout bonnement. Est-ce que déjà, vous avez passé tous une, un très bon début d'année alors je, je sais qu'il y, y a la crise sanitaire aussi, enfin qui continue, qui perdure. On ne sait pas où on se trouve. Bref, excepté ça, est-ce que tout se passe bien pour vous Est-ce que vous avez peut-être après Noël acheté un Chromebook N'hésitez pas à, me, à nous le dire sur le chat. En tout cas, rapidement. Bonjour à Thierry, bonjour à Nocturne, à Meziana, euh, Nocturne qui s'impatientait du live et finalement, bah tu vois, ça, ça, ça fonctionne. Mais c'est vrai que je prends certaines fois du temps à Christophe Guibert. Christophe Guibert qui est euh, spécialiste de cuisine et qui aime bien écouter euh, Chromebook on Live tout en cuisinant un, un nouveau plat. En tout cas, merci encore une fois pour tes... Euh, pour tes partages Christophe. Euh, bonsoir Clément, Live Athenium, je te vois souvent sur Twitter si je dis pas de besties, Bachir, Laurent, qui avons-nous David, Julien, euh, merci pour les pour ton pour ton mail également Julien. Euh, je t'ai répondu rapidement mais il va falloir que moi aussi je prenne du temps à ah, Sylvain aussi, Didier, bref Bonne année à tous, merci encore une fois pour votre présence et on va se lancer aujourd'hui avec une thématique principale qui est évidemment celle du CES 2022, hein, le CES qui s'est déroulé du 5 janvier au 8 janvier 2022. En quelques jours, bon, on a eu quand même euh, pas mal de nouvelles technologies qui ont, euh, qui ont été présentées et je vous propose hein, qu'à la deuxième partie du live, au moment où on va échanger ensemble, peut-être, alors c'est la première fois que je on va dire que j'essaie d'imposer une thématique, que vous me partagez un peu les découvertes et les technologies en dehors même des Chromebooks qui, qui vous ont plu. Moi j'en ai quelques-unes en tête donc on partagera un peu ensemble après. Mais en tout cas sur la partie Chromebook et Chrome OS, eh bien, eh bien, figurez-vous qu'on a eu quand même pas mal de petites nouvelles avec des choses particulièrement innovantes. Et même Google qui a communiqué sur, sur un sujet, en tout cas en parlant d'Android, a bifurqué un peu sur Chromebook et on va y revenir. En tout cas, euh, en, premier, en premier lieu, nous avons... Acer qui a... Ah, attendez, j'ai bien un affichage qui se fait. Parfait. Euh, on a Acer qui a dévoilé trois nouveaux Chromebook Alors, trois nouveaux Chromebook avec une déclinaison Enterprise, donc à destination des organisations. Euh, pour ceux... Qui, qui, sont tout jeunes dans l'environnement Acer, c'est le constructeur qui domine le marché français et qui a été le premier constructeur avec Samsung à vraiment investir, on va dire, de l'argent en sortant même, voilà, des, 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 plateformes techniques à destination du marché du Chromebook. Et ça, ça remonte déjà, à, déjà plus de dix ans, enfin, même plus de, enfin, on est déjà rentré dans la 11e année, si je, je dis pas de bêtises, d'existence de Chrome OS. Et donc, Acer a son habitude, effectivement, d'innover et d'être le premier à sortir des modèles un peu différenciants, différents du marché. Cette fois-ci, on a un premier Chromebook, moi, qui me, qui me plaît particulièrement. C'est le Acer Chromebook Spin 513. Alors, Spin, donc, on sous-entend, ça sous-entend qu'effectivement, il est convertible. On est sur, en termes de design, on est sur quelque chose qui est très proche du Spin. 713, donc c'est celui que j'ai. Quand on a comme premier chiffre le 5, ça signifie qu'on est sur un euh, sur un modèle qui est moyen de gamme. 3 à un entrée de gamme et 7 à haut de gamme. Et là, là-dessus, on a un châssis qui se rapproche fortement du 713. Donc ça, c'est plutôt plaisant avec la petite bordure là qui est raccourcie euh, tout en bas près de près du près du clavier. Euh, on est sur un spin, donc on va avoir un écran euh, tactile. On a un écran au format 3,5. demi et d'une taille de 13,75 pouces. Il faut savoir que ce Spin 513, on a déjà un modèle qui était sorti, et moi je l'avais testé sur la chaîne, euh, qui ressemble pas forcément à celui-là exactement, mais surtout qui va se différencier parce qu'il est au format 16 neuvième, enfin le premier que j'avais testé, et euh, embarqué en fait une, une puce Qualcomm Snapdragon. Là, cette fois-ci, on est sur le premier Chromebook qui va proposer eh bien, du Mediatek Compagno 1380, qui a l'air en fait de se positionner comme la puce, on va dire, haut de gamme de chez Mediatek. Euh, on a, moi, j'ai souvent testé du Mediatek, mais forcément sur du, plutôt on va dire sur de l'entrée de gamme. Effectivement, on est sur des processeurs qui vont bien faire tourner les applications du Google Play Store et ça, effectivement, j'accuse le coup sur le fait, bah, je dirais que ce sont des puces qui sont déjà d'abord dédiées au marché du, euh, du smartphone et donc ont facilement cette capacité à pouvoir gérer ces applications. Et là, on est plutôt sur quelque chose qui va aller en haut de gamme. Donc, j'imagine, est-ce que je peux me permettre, et pour les spécialistes qui sont connectés, de dire qu'on va se rapprocher peut-être de l'Intel Core i3 euh, Qui sait Peut-être même encore plus, en tout cas, ne serait-ce que rien que pour cette raison, enfin, pour ce processeur, j'aimerais bien euh, tester euh, cette bécane. L'avantage aussi que propose en fait ce Chromebook, c'est qu'il a une résolution de 2256 par 1504, ce qui est une résolution vraiment. Euh, moi, je suis un grand fan de cette résolution. Je, je crois hein, qu'on est sur cette résolution-là pour le 713. En tout cas, on est peut-être à quelques chiffres près, mais on est sur effectivement euh, de la 2K du, euh, du QHD, si je ne dis pas euh, de bêtises. En tout cas, Acer promet une autonomie euh, d'environ euh, 10 heures. Donc, ça signifie que le processeur avec l'écran va quand même con consommer pas mal d'énergie. C'est pour ça qu'on n'est plus sur des, euh, sur des chiffres allant pouvoir aller jusqu'à 15 heures hein, avec la Qualcomm Snapdragon, euh, le, le Spin 513. Euh, avec le Qualcomm Snapdragon, on avait une promesse d'environ 15-16 heures, si je ne dis pas de bêtises. Autrement, on va avoir du son DTS audio qui va être embarqué dessus, ce qui est vraiment très bien. Moi, je l'ai testé sur le euh, sur le premier, fin, le 17 pouces d'Acer et le son est vraiment impressionnant. Là, on sent que ce soit chez Asus, chez Acer, en tout cas, je pense, d'un point de vue global sur le marché, euh, d'un point de vue système audio... Et, euh, et retour sonore, on a quelque chose qui est de plus en plus euh, qualitatif, et ça, c'est vraiment bah, plaisant pour le divertissement euh, en l'occurrence. Ce modèle, donc, euh, enfin, on aura du Wi-Fi 6 qui devient assez classique, deux ports USB Type C. Alors, on n'est pas sûr du Thunderbolt 4 là-dessus, mais je pense que sur un autre gamme, par contre, on, on, on l'ajouterait. Un port USB Type A et un port micro euh, SD. Le modèle devrait arriver courant avril 2022 en Europe à partir de 600. 49 euros. Et donc c'est pour ça que je me dis que à ce prix-là, il est justifié par un écran avec une, une bonne résolution, plus un médiathèque compagno, donc le médiathèque effectivement doit se rapprocher ou doit être un équivalent d'un Intel Core j'imagine en tout cas encore une fois les spécialistes qui sont sur le chat n'hésitez pas à me à partager à me dire si c'est je vais dans le faux euh, ou pas en tout cas c'est quelque chose que bah, voilà si j'ai l'occasion de l'avoir entre les mains je le testerai pour pour la chaîne bien évidemment. On va continuer avec un second modèle donc alors Très rapidement, parce que je ne l'ai pas lu dans le titre, mais euh, le focus en termes de communication de la part d'ACER, c'est vraiment faire un focus sur le travail hybride. Hein, euh, donc, ça veut dire combler les besoins autour de l'hybridation du travail. Pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, entre guillemets, le concept, c'est pas non plus un concept, mais ça, je dirais que ce. Cette manière de travailler euh, est, est fortement apparue à cause de la crise sanitaire, mais l'hybridation du travail, c'est simplement le fait bah, de se dire, on, vous allez travailler chez vous, mais également en présentiel dans les locaux de votre entreprise. Et donc finalement faire un peu un, un hybride, un mix des deux, tout en sachant qu'actuellement, l'État nous pousse à faire 4 jours de euh, télétravail quand c'est vraiment euh, possible. Donc on va être vraiment... Ils vont... Voilà, Acer communique là-dessus, dit qu'on va proposer des, des terminaux entre 13 et 15 pouces pour le confort de l'utilisateur, avec quand même des plateformes techniques qui ont l'air soit d'être de l'Intel quoi, en tout cas un peu en deçà en termes de performance. Donc voilà, enfin, pour revenir un peu sur la communication et sur le positionnement, parce que je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir cette vision. Hein, comment euh comment une entreprise en fait communique sur quoi elle se, elle se base pour, pour vendre ses produits. Donc là, le Acer Chromebook 315, euh, là on est plutôt sur un ordinateur bah, forcément un peu plus confortable parce qu'on va avoir en fait un écran de 15,6 pouces qui est lui par contre Full HD IPS et qui est doté d'un entrée-reflet, donc on n'a pas de la résolution euh, équivalent à du QHD comme on a vu au-dessus. Euh, au on n'est pas sur un convertible et l'écran tactile, lui, il est en option. Donc c'est vrai que enfin, quand on regarde en termes de design, je trouve qu'il ne paie pas forcément de mine, euh, on notera euh, bah, la présence d'un clavier numérique, hein, à partir d'une certaine grandeur d'écran, euh, les constructeurs privilégient aussi le pavé numérique, parce que l'idée là c'est d'avoir du confort en divertissement mais également en travail, euh, sachant que celui-là a l'air d'être vraiment destiné aux étudiants pardon, mais également aux travailleurs aux professionnels euh, en, en entreprise euh, on va être par contre sur des processeurs Intel Celeron avec toutefois une promesse d'autonomie 10 heures qui reste classique on va dire dans le monde du Chromebook on va avoir du Wi-Fi 6 de la technologie DTS audio et de la webcam HDR pour effectivement élargir un peu le champ de vision, surtout en période bah, d'hybridisation euh, du travail. C'est important aussi de pouvoir faire des visioconférences dans, dans un confort, euh, on va dire, euh, des, des, des plus grands. Du côté des connectiques, bon classiques, du type C, du type A, euh, de la carte micro une loge Kensington. Par contre, une petite... Innovation, alors qu'on a déjà vu dans un autre modèle qui avait été annoncé par Acer, eh bien c'est le fait que le pavé tactile lui soit éco-responsable et soit entièrement en fait fabriqué à partir de déchets plastiques. Et ça c'est intéressant. Encore une fois, je crois que j'en ai peut-être parlé dans un live. Euh, Acer a sorti la gamme Acer Vero, je crois que c'est le bon naming, je crois que c'est Vero, euh, où tout le châssis ou en tout cas, euh, alors tout le châssis et certainement des composants en grande partie, ont été euh, fabriqués par euh, des, euh, des, des déchets plastiques qui ont été effectivement recyclés. Euh, et ça, c'est très tendance aujourd'hui sur le marché. Et Acer s'est vraiment affirmé là-dessus. Et on, a, on voit que finalement, ils essaient un peu de porter quelques éléments sur les autres gammes de produits euh, de la marque. Et moi, je parie qu'à l'avenir, on aura... Euh, dans les autres gammes, en tout cas, un équivalent de Vero et pourquoi pas un Acer un Chromebook Vero qui soit quasiment en full plastique re recyclé, mais avec du Chrome OS à l'intérieur. Donc euh, voilà, enfin, c'était petit, petit aparté sur, sur le sujet. En tout cas, pour le 315, celui-ci devrait être disponible en Europe au premier trimestre 2022 à partir de 399 euros. Donc on était parti du moyen grand, <laughs> non plutôt, plutôt du plus petit, on est remonté à du 15 pouces et là on va redescendre d'un cran en vous parlant du Acer Chromebook 314 et Chromebook Enterprise 314. Quand vous avez la dénomination Enterprise dans Chromebook Enterprise, ça signifie en fait que le Chromebook est vendu avec une licence embarquée à destination des organisations pour pouvoir gérer le Chromebook en fait, au sein d'une flotte euh, informatique. Donc là, on est sur du, euh, donc du 14 pouces. Apparemment, en termes de caractéristiques techniques, on va se, se retrouver avec le 315, sauf qu'effectivement, on va avoir un écran qui est euh, tout bonnement un peu plus euh, réduit en termes de taille. On va voir aussi du DTS audio. On n'a pas le pavé numérique. Il disparaît. Donc euh, là là-dessus, il y a eu le choix sur du 14 pose à ne pas le mettre. Par contre, du coup, ça a libéré en fait les extrémités euh, au niveau du clavier. Pour ceux qui regardent le live, hein, vous pouvez le voir. Et donc on a en fait les haut-parleurs qui sont euh, positionnés euh, sur, euh, sur le côté. Donc ça, c'est plutôt pratique en termes encore une fois d'expérience audio. C'est euh, ça c'est vraiment sympa. Moi je l'ai expérimenté, euh, je sais plus, je crois que c'est sur le 317 ou, euh, ou c'est sur le côté. Enfin, il n'y a pas photo tout en sachant qu'on est sur un modèle Clamshell. Donc autant avoir effectivement le, euh, les haut-parleurs placés directement à côté du clavier pour que ça remonte directement aux, aux oreilles. Euh, autrement en termes de design, bon il est un peu plus sympa que le 315, mais euh, bon il casse pas non plus euh, trois pattes à un canard euh, si je peux me permettre. Et le modèle en question sera disponible, lui, en Europe, courant avril 2022, à partir de 369 euros. Alors, on n'a pas d'indication euh, relative, euh, je dirais, aux euh, au performances techniques. On ne sait pas quel processeur. Euh, on imagine qu'on va être sur de l'Intel Celeron à ce prix-là. Et euh, quand on regarde le 369 face au. Euh, 399 du, euh, du, 3, du 315, euh, disons que ouais, je pense qu'on va rester sur cette gamme de, de performance. Sauf qu'effectivement, la baisse du prix elle va être plutôt justifiée par un écran qui est euh, un peu plus euh, réduit et, euh, et le pavé numérique en moins. Je pense que c'est euh, justifié euh, euh, par là. Donc, n'hésitez pas à me dire dans le chat ce que vous en pensez de, de ces de ces premières annonces au niveau du CES 2022 euh, qui ont d'abord été euh, donc partagées euh, par, euh, par Acer alors je jette un oeil rapidement euh, au chat Julien H et bientôt Discord, je l'espère ça prend du temps, je suis désolé, je, vraiment, je suis très pris par le temps donc, euh, Hello Raphaël bonsoir à toi mon projet c'est d'échanger mon MacBook contre un Chromebook Bachir et mon smartphone Oppo Find X3 Pro contre le Pixel 7 Pro eh ben, écoute, on va voir ce que va donner, qu'est-ce que va faire Google pour la suite, hein. À David, direct, Pixel 7, il, est, il a été prévu. Moi, j'ai pas d'infos là-dessus, en tout cas. Euh, bonsoir, Hervé. Euh, le 7 Pro, aucune annonce pour le moment. Christophe, galette des rois hier avec recette sur mon Chromebook. Oh bon, il faudra que tu refasses une galette des rois avec euh, l'écoute du podcast. Mais vu que tu es en live, je sais pas si c'est intéressant que tu réécoutes le podcast. Bonsoir, Banco. Convaincu par les Chromebooks depuis plusieurs années, un peu grâce à toi. C'est gentil, Banco. Ça me fait plaisir. Oh, Raphaël, merci. Merci pour les 5 euros. Raphaël pour le pour le pour le soutien je veux dire le soutien des familles euh, en tout cas le soutien pour euh, pour pour le travail là qui est engagé euh, encore une fois moi ça me fait plaisir d'avoir cette cette euh, comme vous le savez cette communauté un peu chromebook live tech live euh, voilà c'est la team c'est quand même j'aime bien dire c'est euh, c'est la team euh, ce que je vous propose maintenant c'est de basculer et eh bien sur euh, la deuxième, euh, grosse annonce, et je dirais la plus innovante en tout cas sur, sur le marché euh, du Chromebook. Moi, c'est celle qui m'a intéressé le plus, hein, euh, qui a attisé le plus ma, ma curiosité. Eh bien, c'est euh, HP. HP, ça reste un très grand acteur du monde de Chromebook. Euh, un très grand. En tout cas, je dirais le troisième. Plus impliqué qui commence à grappiller de la place en termes d'implication c'est à dire que moi j'avais souvent assez rasus asus continue évidemment à s'impliquer hein, mais il est moi je coude à coude j'irai face à un face à un HP qui sort quand même des nouveaux modèles euh, récemment je vous avais proposé le test du HP Elite C1030 Chromebook, qui est effectivement une bombe euh, sur le principe, mais aussi sur le papier euh, au niveau du chèque, hein, puisqu'on est sur un ordinateur qui est full spec et euh, qui propose un écran de confidentialité, un lecteur d'empreintes de, digitales. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, là-dessus Un cache-caméra. Euh, après le design aussi, il est super beau, il est super élégant, avec des très belles finitions, euh, des bordures réduites, etc. Et, euh, et donc ça, ça fait partie effectivement de la gamme Elite. Et on est sur un hein, prix effectivement qui dépasse les, les 1000 euros. Et là, HP s'est dit, bon, bah on va continuer à investir dans cette gamme Elite en proposant, en annonçant, en lançant eh bien, le HP Elite Dragonfly. Chromebook. Alors le Dragonfly, j'en avais entendu parler dans l'environnement euh, Windows. Hein, jamais, je ne l'ai jamais eu entre les mains. Je ne le connais pas plus que ça. Mais en tout cas, j'en avais entendu parler. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'effectivement, ils prennent les modèles qu'ils ont déjà euh, avec du Windows et le portent sous Chrome OS. Et euh, alors là-dessus, déjà, ne serait-ce que lorsqu'on regarde le, le Chromebook, hein, euh, le, le design hein, du Chromebook par-dessus. Pour moi, moi ça me plaît déjà avec une sorte de gris un peu entre un site. On garde le HP, le logo HP moderne façon miroir, avec une petite annotation tout en bas Chromebook, c'est-à-dire qu'on n'ajoute même plus l'icône Chrome sur le côté qu'on avait l'habitude de voir. Euh, on avait, alors initialement, on avait le logo Chrome avec l'icône Chrome, tout était coloré enfin sauf Chrome qui est en noir. Puis ensuite sur des Chromebooks un peu professionnels, très haut de gamme, on avait l'habitude de voir simplement euh, une annotation Chromebook et avec un, un logo qui lui aussi est grisé comme le mot, euh, ou noirci comme le mot euh, Chromebook. Et là cette fois-ci, eh bien HP décide d'enlever euh, le logo euh, Chrome pour ne laisser que Chromebook. Et ça, je pense que c'est simplement lié au fait que euh, Google doit considérer conjointement peut-être avec HP aussi, hein, ou en tout cas laisse le choix peut-être à HP euh, là-dessus euh, à vérifier, mais en tout cas qu'on arrive à une certaine maturité euh, du marché en termes de ce qu'on va appeler de awareness, de notoriété, euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui lorsqu'on parle d'un Chromebook, je pense que... On a de plus en plus en tout cas de personnes qui, qui connaissent le produit même si encore une fois c'est pas des fanatiques c'est pas des technophiles je vais pas dire comme nous parce qu'on l'est pas non plus on est pas extrémistes hein, dans, sur le sujet euh, et on aime bien s'ouvrir aussi à plein d'autres technologies et on entend ou en tout cas moi j'entends hein, je peux pas parler à votre place mais j'entends les gens qui adorent Apple et je le comprends euh, totalement. Et donc, en fait, c'est intéressant, enfin, je, je, n'hésitez pas à partager aussi votre point de vue dans le chat, mais moi, je pense que c'est pour ça, c'est-à-dire qu'on arrive à un certain moment où le logo Chrome n'a plus d'intérêt à être présent et un simple Chromebook suffit parce qu'aujourd'hui, voilà, le Chromebook est bien, est bien présent sur, sur, le, sur le marché. Donc, euh, ce HP Elite Dragonfly Chromebook sera également porté pour les entreprises, donc avec la licence qui est embarquée, donc… On a quelque chose quand même qui est en tout cas euh, très élégant. Et l'innovation, vous voyez le, le pavé tactile. Eh bien ce pavé tactile va proposer euh, la, le dispositif aptique. Alors pour les gamers, alors pas forcément pour les gamers, mais c'est vrai que moi c'est ce que quand on m'a parlé d'aptique, j'ai directement pensé au retour aptique qui a été proposé euh, par Sony. Donc au lancement de la PS5 maintenant qui date de il y a un an et qui a toujours je pense des problèmes peut-être de disponibilité, euh, une, des, une des caractéristiques, une des grosses features c'est que la manette de la PlayStation 5 propose du retour haptique. Le retour, euh, le retour haptique très grossièrement en fait c'est euh, le fait de pouvoir communiquer au travers du touché alors par vibration par force donc imaginez dans un jeu vidéo où vous êtes en train de jouer à un jeu de course de véhicule par exemple euh, ou que vous cognez par exemple un, un mur et que vous appuyez sur la gâchette eh bien la gâchette serait par exemple en mesure et eh bien de contrer euh, votre appui parce qu'il sent que vous êtes en train d'appuyer et que vous êtes par contre sur le paroi je sais pas d'une rambarde et eh bien il va forcément ne ne pas vous laisser euh, appuyer dessus par contre dès que vous allez reculer vous allez commencer à accélérer là par contre on va vous laisser la joie de pouvoir accéléré comme vous le souhaitez. Euh, et donc, ça, c'est le principe de retour haptique, mais ça utilise ce dispositif haptique. Et là, on serait sur quelque chose qui existe déjà du côté euh, d'Apple. Euh, et si je dis pas de besties, ça s'appelle le Force Touch. Euh, il semblerait qu'en gros, on ait tout bonnement une sorte de, de, de mécanisme sous, euh, sous le, le pavé tactile. Qui, euh, qui gérerait un certain niveau de pression. Donc si vous appuyez très légèrement, admettons vous allez faire un clic droit, si vous appuyez fortement, vous allez automatiquement ouvrir par exemple le, un lien hypertexte d'un site web, vous allez l'ouvrir en mode onglet. Et je, je crois que sur, euh, sur Apple, vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité. En tout cas... C'est l'innovation qui est proposée aujourd'hui euh, ou qui va être proposée en tout cas à la sortie du, euh, du HP Dragonfly, euh, euh, Dragonfly Chromebook et pour le coup bah, qui me hype moi forcément parce que. Euh j'ai envie de le tester. <laughs> J'ai envie de le tester. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous dans, dans le chat sur sur le sujet en tout cas, aptique et sur cette innovation. Mais en tout cas, la promesse sur ce Chromebook, c'est que, bah, un peu comme le Elite C Chromebook, on soit vraiment sur un sur un sur un modèle qui soit, qui soit ultra spéqué et il est naturel en fait qu'il est, on va dire, les dernières innovations du moment. Donc, on est on est sur un on est sur un convertible. Hein, euh, et donc, il y a un écran tactile de 13,5 pouces au format 3,5. Intéressant, ça se démocratise de plus en plus. On aura soit une résolution de 1920x1280, donc du Full HD, ou soit du 2256x1504. Donc, évidemment, donc ça sous-entend aussi qu'on aura des versions différentes. Mais bon, pour le QHD, j'imagine que le prix va dépasser les 1000 euros sans, 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 sans souci. On va avoir jusqu'à 32 Go de RAM, ce qui est assez élevé. Encore une fois, je me pose la question des usages, mais on voit quand même de plus en plus de Chromebooks haut de gamme s'approcher des prix de 1000 euros avec des gros specs. Est-ce que parallèlement à ça, Google nous préparerait des nouvelles features On pense forcément à Borealis et le projet euh, Steam, puisque euh, accompagner des processeurs Intel... Là, en l'occurrence, de, de 12e génération, on a aussi le GPU Intel Iris euh, XE ou 10E, je ne sais plus comment on, a, on, on dit ça. Donc voilà, se pose la question de, euh, de pourquoi on a autant de modèles qui sortent avec euh, autant de specs euh, euh, sur le marché. Donc on va avoir du 128, du 256 ou du 512 Go de RAM. Là, cette fois-ci, on a deux ports USB type C Thunderbolt 4 hein, qu'on a déjà vu sur mon test du ASUS Chromebook 6.9 et qui permet théoriquement d'avoir un plus gros débit, enfin c'est même pas théoriquement, ça permet un gros débit et de faire fonctionner plusieurs écrans en 4K je crois. Ensuite, on a du type A, on a du port HDMI, bref, je vais pas vous lister tous les trucs, mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on a un lecteur d'empreintes digitales, on a le pavé tactile haptique, un système de son Bang Olufsen, donc classique chez HP, clavier rétro et aussi, alors l'écran est, est compatible stylet USI, et là, la petite... Euh, la petite nouveauté, c'est pas une astuce, mais la petite nouveauté, je dirais, c'est que vous avez un système magnétique sur le côté du Chromebook qui va permettre, en fait, de, euh, de retenir votre stylet. USI HP, donc il faut forcément, je pense, acheter un, un produit de chez HP euh, ou un équivalent, euh, mais, qui puisse, mais qui puisse être rechargeable aussi en sans contact puisque, en fait, cette, ce système magnétique va, euh, va, va sticker, en fait, le stylet et derrière, va lui permettre de se recharger. À côté de ça, on a aussi l'écran de confidentialité SureView qui, lui, est en option. Donc, j'imagine, en entreprise, que euh, bah, ça doit peut-être être pour... Euh, pour le marché de l'entreprise, tenez là ici vous avez l'image hein, pour ceux qui, qui nous regardent en live du stylet en fait qui est accroché au HP, et on a aussi en option la connectivité euh, 5G, donc pour plus de mobilité de connectivité donc, euh, en continu, donc vraiment pour un pour un environnement entreprise, et le tout pour un poids d'environ 1,3 kg ce qui, est, euh, ce qui est super, enfin je dirais que c'est super sexy pour, pour ce genre alors de... de sp Pec, ouais on a l'impression qu'on est quand même sur un produit qui est robuste, qui est solide, tout en étant élégant. Donc on imaginait peut-être un point un peu plus élevé, mais non, c'est pas déconnant, on est sur du 1,3 kg. Quand j'y réfléchis sur le C1030, je crois qu'on en est pas si, loin, euh, euh, pas si loin de ça. Et normalement, le modèle sera commercialisé courant avril 2022. Donc pas de détails en tout cas euh, sur une disponibilité. Euh, sur une disponibilité par, euh, par pays et on n'a pas plus d'informations sur les autres versions euh, de modèles parce que encore une fois bon, je pense qu'il y aura un prix de démarrage et on va être peut-être sur un prix qui va commencer à 900 1000 euros et puis qui va peut-être aller jusqu'à 1400 euros donc effectivement on est sur une tendance où on a quand même des modèles qui sont de plus en plus spéqués et de plus en plus coûteux et pour ceux qui sont déjà je vous pose la question dans le live euh, dans le chat pardon si pour ceux qui sont déjà euh, dans le monde du Chromebook, donc qui l'ont adopté, qui sont dans l'écosystème et qui ne veulent pas forcément euh, changer, parce que vous avez vos habitudes, vous avez votre smartphone Android, vous avez Phone Hub, euh, les interopérabilités, on en reparlera après, entre Android et, euh, et le Chromebook, est-ce que vous seriez peut-être amené à l'avenir à acheter des Chromebooks plus premium Pas forcément donné dans les 1300 euros, mais vous rapprochant en tout cas d'un prix autour des euh, 900, 1000 euros, mais encore une fois, ça reste justifié. Euh, au vu, en tout cas, des spécifications, euh, on peut pas avoir pour 500 euros un Chromebook qui va vous pousser de l'Intel Core de, euh, enfin i7 avec, euh, euh, voilà tout ce qu'on a vu, 32 Go de RAM, etc. Donc qu'est-ce que euh, vous en pensez Est-ce que vous, euh, vous franchiriez le parce que forcément, pour des personnes qui connaissent pas le marché, beaucoup ont l'habitude de se dire bah le Chromebook c'est forcément le produit cheap. Alors, le Chromebook en fait il, il, il balaye assez, assez largement, euh, et du coup, se dire ah bah ouais, bah alors je vais pas prendre un Chromebook à 1000 euros juste finalement pour naviguer sur le web. Ce qui est très réducteur, encore une fois, et je le fais exprès. Mais là on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de, de choses qui sont en train de se monter. Et notamment avec Funhub, on a une vraie, vraie plus-value d'adoption du Chromebook, surtout lorsqu'on est en fait dans un environnement Android. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que, euh, ce que vous en pensez sur le chat. Je vais faire juste un petit tour sur le chat tout en euh, prenant un petit, un petit café. Alors, qu'est-ce que je lis euh... Jean-Michel, alors le, le prix pique un peu, mais il y a de la qualité sonore et de, de cran, donc je pense que tu devais parler du, euh, du Acer Live euh, Athenium, je prends un peu de retard sur le chat, c'est vrai que c'est un peu compliqué, euh, et me... bon, bonsoir Michou, hein, je, je t'ai vu arriver euh, tout à l'heure, monsieur Michou, bonsoir Marja, Clément, à Spin 513, très intéressant, le Spin 513 sort quand le nouveau Ah, pas de news là-dessus euh, Clément, je sais pas, alors ouais, je pense qu'il y aura bien sûr une itération, mais il n'est pas prévu pour le moment, il reste encore... Je trouve encore assez récent le Spin 713 mais on n'est pas à l'abri peut-être d'une sortie euh, d'ici euh, d'ici fin 2022 Cédric Dervo Dragonfly salut Cédric j'espère que tu vas bien le Dragonfly il, il fait plaisir aux yeux hein. je pense qu'il fera plaisir aussi euh, à, à, à nos doigts avec le euh, la, le dispositif haptique, euh, Hello Dominique bonsoir à toi je vois que la team se remplit en plus on est on est 44 personnes en simultané ça fait vraiment plaisir euh, là avec le stylet en mode iPad, les Apple Watch ont la molette aptique aussi. Ah je ne savais pas, euh, la Vatenium. Bon après c'est normal, je n'utilise pas, pas de produits Apple, hein, j'en ai utilisé il y a une, une ancienne, dans une ancienne vie. On a envie d'avoir ton retour, Dominique. Euh, bah écoute, je, je l'ai peut-être fait entre temps. Cédric Dervaux, c'est ça, ainsi que le Magic Trackpad. Ah bah merci euh, Cédric, tu confies en ce que je disais par rapport au Force Touch. Le monde de Raph, je trouve vraiment que HP fait vraiment des modèles très quali assez ah, Raphaël. Ah bah oui, oui, monde de Raph, Raphaël, c'est bon, je fais le lien par rapport à Instagram. Jean-Michel Perso, le XP euh, X360, très bien, mais un peu lourd. Oui. Bah C'est les anciens modèles, donc là on arrive vraiment à une génération où... Euh, Arrive avec des, euh, des, des processeurs et surtout un ensemble d'éléments hardware qui sont de plus en plus euh, petits et donc in fine euh, enfin, logiquement plus, euh, plus légers. Euh, 1000 euros pour un Chromebook, autant prendre un MacBook. Alors voilà, vous, cher modérateur, alors là vous êtes sur un modérateur qui cherche le clash. Donc pour tous les viewers, n'hésitez pas à voilà, argumenter contre Michou, alors à ne pas vous énerver, hein, mais en tout cas à, à faire en sorte de calmer un peu le jeu. <laughs> je, je, je rigole bien sûr. Euh, Dominique ayant le 713 d'Acer, je ne pense pas descendre en spec. Ça c'est intéressant comme, comme retour, Dominique. Parce que moi aussi j'ai un peu du mal à me dire je, là je suis sûr du euh, ouais c'est le Core i5 hein, si je dis pas de bêtises. ouais Moi c'est du Core i5. Euh, revenir sur du Core i3, ça me dérangerait pas tant que ça. Mais voilà j'ai ma petite j'ai mes petites habitudes avec le QHD, euh, l'écran trois demi euh, en format 3.5 demi c'est super. Bonsoir Baptiste, comment vas-tu? Encore un retard, et c'est pas moi cette fois-ci qui suis en retard. J'ai souvent eu des problèmes avec le live en démarrage, et j'ai pensé que j'allais avoir aussi un souci. Mais non, tout s'est très bien passé. Didier, le Pixelbook Go, pourquoi pas un jour Ah, écoute. Le Pixelbook Go, bah, malheureusement, il était euh, en stock là chez euh, VDT, et je sais pas s'ils vont en avoir encore un autre. Je sais pas, ils vont peut-être rechercher. Enfin, euh, je garantis je rien là-dessus. Christophe, trop cher, c'est noté. Euh, Sylvain Lecomte, bonsoir, une chose est sûre pas plus de 1000 euros le Chromebook. Ok. Ok, très bien. Alors déjà, c'est très bien si, euh, si, en fait, finalement, on réfléchit, tu t'approches des 900 000 euros. Mais encore une fois, euh, essayez de réfléchir en vous disant est-ce que c'est justifié par les spécifications. Évidemment, les constructeurs se font des marges comme tout le monde, hein. et Apple, je pense, le premier aussi. <laughs> mais, mais voilà, euh, faites une évaluation par rapport à ce qui est proposé euh, euh, sur le marché. On va pas un, un, évaluer un Chromebook à 1000 euros avec ces specs-là face à un ordinateur sous Windows que vous allez pouvoir trouver à euh, 400 euros et qui fait tourner de l'Intel Celeron, euh, tout comme un autre Chromebook de cette, de cette gamme-là en fait. Euh, le monde de Raph, pour ma part, je suis sur un Chrome à 650 en i3 8Go. Je trouve des... Ah ouais, toi tu es sur le HP si je dis pas de bêtises, euh, RAF Je trouve déjà la qualité dingue des matériaux et de l'écran en euros à condition euh, de réellement UP. Mais est-ce vraiment utile Bah C'est la grande question. C'est pour ça que quand je vois ces modifications en hardware. Il euh, y a forcément une volonté de, du constructeur de, de faire de la hype en disant bah voilà on, on crée des nouveaux modèles, on les associe avec les dernières technologies du moment. Euh, sur la partie Chromebook, c'est que ça doit être soit poussé, ça doit être poussé un peu par Google et je l'espère, ce sera justifié par des nouvelles features de Chrome OS, je pense. Euh, si on les utiliser des personnes. Euh Merci Live Atinium, bon, on reviendra là-dessus. Sangui, bonsoir. Merci pour le Pixel Book Go. Dommage que ce ne soit pas la version 8 go de RAM, mais il est excellent. Oh, je pense que c'est suffisant, 8Go de RAM. Large... Enfin, je pense c'est suffisant. Bon, on va continuer euh, cette partie euh, CES avec notamment euh, une. Euh, bah, on a parlé d'ACER. On a parlé d'HP. Quel est l'autre acteur, je dirais, qui intervient souvent sur le marché avec des nouveautés Eh bien, c'est Asus. C'est Asus. Alors, c'est intéressant parce que dans le classement global, j'ai plus les derniers chiffres, je m'en souviens plus, mais on a souvent des rapports réalisés par Canalis, qui est un institut qui propose des études sur le marché mondial du Chromebook et sur le marché mondial en général, on a Lenovo, on a HP, on a Acer. Et Asus fait un peu profil bas malgré les innovations, il se retrouve un peu, je ne vais pas dire dans les derniers, mais en tout cas après après trois trois, trois grands acteurs et il, 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 il se bataille contre un Samsung qui a l'air d'être uniquement présent en tout cas sur le marché américain ou nord-américain ou certains pays anglophones, j'ai plus les détails. En tout cas, Asus continue d'innover, c'est toujours un plaisir en tout cas pour moi avec le Asus, l'annonce du Asus Chromebook Flip CX5. Alors c'est un modèle qui était sorti, euh, bah, qui avait été annoncé lors du CES 2021 et qui se voit en fait être une sorte d'itération euh, en termes de, de spécification euh, euh, technique, mais également en termes de design parce qu'on n'est plus effectivement sur une surface blanche euh, au niveau du châssis hein, sur la partie euh, supérieure. Donc c'est pour ça qu'on a un naming un peu euh, pas complexe mais c'est le naming précis c'est le Asus Chromebook Flip CX5601 retenez-le à la fin je, je ferai une interro euh, surprise non mais c'est toujours euh Certaines fois avec complexité qu'on qu 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 a des, enfin, des, des noms de Chromebook. Euh, donc, effectivement, on va être plutôt sur une itération qui va intégrer donc, les dernières nouveautés euh, en termes de processeurs. Hein, notamment, donc, là, on est sur un modèle qui va embarquer de l'Intel Core i7 euh, de 12e génération et à la manière du HP, euh, va aussi s'associer avec du GPU Intel Iris euh, Xe et 16 Go de RAM. Donc, là, là encore une fois, on est sur un Chromebook qui est ultra spéqué. Euh, ultra spéqué tout en sachant qu'il, je crois que en termes de gamme, il est en dessous du CX9 que j'ai testé euh, euh, sur euh, sur la chaîne, hein, parce que euh, voilà, il y a le CX3, 5, 9, hein, euh, voilà, vous avez compris, plus chiffré grand. Plus, euh, plus le modèle est dans une gamme euh, su, supérieure, euh, ou en tout cas est premium. Donc là, clairement, on va s'adresser à des profils qui sont super exigeants. Donc j'imagine qu'il sera décliné aussi, euh, ou en tout cas qui sera proposé euh, aux entreprises. Donc on a euh, un gris qui est aussi un très sexy. Moi, j'ai pas de problème avec Asus aussi. On a des modèles là qui, qui sont vraiment très très jolis. On va être au niveau de la. De, du dispositif de son, on va être sur du système de son, on va être sur du Harmony Cardone. Donc, euh, ouais, hein, chacun a, a, a ses technologies et ses, et, ses, et, ses, et ses partenariats. Cela dit, par rapport à l'ancienne version, on va être quand même sur un 16 pouces. Un 16 pouces, donc là, c'est un entre-deux. Je ne sais pas si c'est peut-être même le premier Chromebook à proposer un écran euh, de cette taille-là. Donc, on a généralement du 13,5, enfin du 11, du 13,5, on a du 14, euh, on a du 15 on a le dernier d'Acer et le premier sur le marché avec du 17,3 pouces et là. On se retrouve avec un truc de 16 pouces et qui va pousser un format non pas 16/9 mais 16/10 donc avec un d'élargissement euh, au rendu fait, euh, horizontal au niveau enfin de de l'écran de et donc un modèle qui à 16 pouces bah, permet aussi euh, d'apporter un clavier numérique hein, que vous voyez sur le côté droit donc avec un, un espacement qui reste quand même réduit au niveau euh, au niveau des touches du clavier autrement on va avoir euh, on va avoir quoi on va avoir de l'intel wifi 6 euh, du port usb type c type a loge kensington euh, mais ça, c'est encore une fois, ça c'est moi qui en ai déduit en regardant en fait euh, <laughs> précisément les images hein, euh, euh, du, euh, du modèle en question. Mais on n'a aucune confirmation de l'autre côté. J'ai pas trouvé d'autres images, mais j'imagine que de l'autre côté, on va avoir un deuxième port USB Type C. C'est pour ça que je prends le risque entre guillemets euh, de, euh, de de de, de l'affirmer. Donc voilà. Pour terminer, effectivement, le modèle sera disponible ce second trimestre 2022 à partir de 999 euros. Donc si c'est à partir de 999€, c'est que euh, le Intel Core là, qui est poussé en, en i7 de 12 e génération avec 16 Go de RAM, ah, je pense pas que ce sera celui-là. Hein. Je pense qu'on va être sur de l'I5 peut-être à, à, à 999€ avec l'I7 qui va peut-être peut monter à, à du euh, 1000, 1200€. Et donc qui va même rejoindre le CX9 qui, avait été, qui est lancé qui a été lancé avec à prêt de 1400 euros. Donc on arrive vraiment à ces prix élevés hein, par rapport à la discussion qu'on a eue euh, juste. Euh juste avant, mais en tout cas, hein, euh, grâce au CES 2022, eh bien on a quand même pas mal de news, euh, pas mal euh, d'alimentation de news euh, sur le, le marché du Chromebook, et on a pas mal de modèles qui vont arriver là, qui vont arriver entre le premier et le second trimestre, pardon, tout en sachant que je pense que euh, d'autres vont être, je l'espère, euh, annonc annoncés entre temps. On n'a pas de... Quelconque information de Dell. Alors Dell est très très loin, mais Lenovo non plus. Je pensais qu'ils allaient peut-être nous, nous, nous proposer des choses, mais le dernier en date c'est le Lenovo iPad et on va y revenir juste après, qui avait qui, qui est sorti sur le sur le territoire. Donc voilà pour ces news, hardware du CES 2022. Donc là, je me permets de faire une petite coupure entre guillemets publicité. Euh, comme vous le savez, euh, je travaille bénévolement hein, sur ChromebookLive.com, mais également sur cette chaîne Tech Live, tout comme l'animation en fait de, de cette émission donc euh, mensuelle qu'est Chromebook on Live. Donc, si vous souhaitez me supporter dans tout ce travail, dans cette aventure, et eh bien la moindre des choses, et eh bien c'est de liker cette vidéo et toutes les vidéos qui paraissent. Alors évidemment, hein, je vous force pas à liker, liker si vous considérez toutefois si vous souhaitez d'une m'aider. Euh, non, si vous considérez déjà que le travail est de qualité et que vous souhaitez ensuite m'aider. Et eh bien, likez, partagez au plus grand nombre, que ce soit, soit sur Twitter, sur Instagram, euh, et même par mail, hein, vous partagez une petite vidéo. Tiens, regarde, à votre ami technophile, mais qui connaît pas très bien les Chromebooks, qui est en train de se tâter à passer sur un nouveau Mac Group qui va lui prendre un bras. Euh, donc voilà, vous avez des alternatives côté Chromebook qui peuvent être sympas. Et il y a un autre sujet qui est intéressant parce que euh, c'est tout juste, là je viens de sortir l'article avant, avant même d'avoir lancé le live, euh, mais qui est intéressant sur la partie entreprise, mais on y reviendra peut-être en fin, en fin mission. je ne vais pas m'écarter me, me connaissant, voilà. Il faut que je garde cette rigueur, ça fait partie de mes bonnes résolutions euh, de cette année. En tout cas, voilà. Merci déjà toujours pour votre présence. On est de plus en plus nombreux. On s'approche des même des 50 personnes, euh, 50 spectateurs en, en simultané. Donc euh, merci pour votre soutien. Et ah oui, si vous voulez me soutenir encore, et bien vous pouvez vous abonner au, au, au podcast. Euh, au flux podcast, ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, euh, on va continuer avec le CES, hein, parce qu'il nous reste quand même une dernière news. Là on a parlé beaucoup de hardware, et là on va basculer un peu, on va bifurquer sur la partie euh, software, puisque Google, qui devait être présent euh, physiquement au CES et qui n'a pas été, euh, qui a rétracté sa présence, notamment à cause, euh, je dirais, de, 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 de la. de la crise sanitaire, euh, a décidé eh bien, de, euh, de publier un article de blog. Hein, Officiel hein, sur sur leur site Google, et eh bien pour parler euh, de l'évolution d'Android dans le temps, mais également des interopérabilités entre Android et euh, Chromebook. Hein. Alors, euh, avant de me lancer euh, là-dedans, comme vous le savez, pour ceux qui ont déjà un Chromebook, vous avez un espace dédié qui s'appelle Phone Hub qui est apparu normalement à partir euh, sur votre barre des tâches euh, près de la barre des Tatu, je vais l'appeler comme ça, euh, je crois que c'est le bon naming, euh, qui, qui est un petit téléphone et lorsque vous cliquez dessus, eh bien, vous avez la possibilité de voir vos articles récemment consultés, euh, enfin vos sites récemment consultés euh, sur Chrome, sur le Chrome de votre Android, smartphone Android. Vous allez pouvoir eh bien, euh, activer, votre, euh, le, le mettre en silencieux ou bien même euh, repérer votre téléphone en activant une sonnerie pour pouvoir savoir où il se trouve euh, chez, euh, chez vous. Donc ça, ça fait partie des premiers des premières fonctionnalités qui sont proposées en interaction entre le Chromebook et les smartphones Android. Enfin, il y en a d'autres, hein. il, il y a le Smart Lock aussi, mais on va pas, je ne vais pas étayer. En tout cas, on va, Google va travailler encore une fois sur l'expansion des fonctionnalités dans Foneub. Alors, dans un premier temps... Euh, on, google va introduire fast pair fast pair on en a déjà parlé euh, dans d'autres dans euh, épisodes de, de l'émission euh, j'ai les google pixel buds série a et euh, lorsque pour la première fois je les ai allumés j'ai activé le Bluetooth sur mon smartphone Android, et automatiquement ils ont été détectés. Je n'ai pas eu à devoir faire une exploration, euh, à cliquer en fait sur le longuement sur la fonctionnalité Bluetooth pour faire une exploration on va dire de, de mon de mon réseau, en tout cas de mon environnement. Et, euh, et automatiquement, en fait, c'est détecté, et vous appuyez sur euh, synchroniser, je n'ai plus le terme, et en fait vous faites le processus d'appairage. Ce qu'ils appellent le fast pair, donc vous avez un processus qui est de plus en plus euh, rapide. Cette fois-ci, Google souhaite euh, l'adopter du côté euh, du Chromebook afin de vous faciliter la mise en route d'un Chromebook. C'est-à-dire que lorsque vous achetez pour la première fois votre Chromebook, eh bien, sachez euh, que vous allez pouvoir le fast-pairer avec votre smartphone de manière à pouvoir lui apporter les informations euh, de type, si je ne dis pas de bêtises, de Wi-Fi, mais également de compte Google pour balayer certaines étapes que euh, en fait, vous avez déjà validées dans votre environnement google de votre de votre smartphone donc ça c'est une chose qui est plutôt intéressant alors lorsque vous êtes déjà possesseur de chromebook l'intérêt est forcément moindre mais pour un nouvel utilisateur c'est forcément quelque chose qui est plutôt sexy dans l'approche et surtout en termes d'expérience utilisateur vous, vous sortez votre chromebook vous le lancez paf avec le smartphone on a un fast un, un quick start qui est qui est mis en place et donc en fait il lui reste plus que quelques étapes afin de pouvoir profiter vraiment de son chromebook on va continuer avec FastPair. On en a parlé donc pour les écouteurs euh, sur Android. Eh bien en fait, ils vont proposer aussi la même fonctionnalité euh, sur Chromebook. Donc vous ouvrez, vous imaginez un... Euh, alors. La technologie Fast Pair, elle n'est pas compatible uniquement qu'avec des produits Google. Hein, c'est compatible, je crois, avec des produits Huawei. Bref, en fait, euh, il faut que le fabricant d'écouteurs aussi euh, ait, entre guillemets, ait mis cette technologie ou fait en sorte qu'elle soit compatible avec du Fast Pairing. Et là, l'idée aussi, c'est la même chose. Hein, vous ouvrez votre boîte d'écouteurs et votre Chromebook la détecte automatiquement. Et donc, vous, euh, vous appairez euh, votre Chromebook avec les écouteurs. Donc, euh, voilà, c'est le même principe que sur Android. Et on a... Une avant-dernière fonctionnalité, mais encore une fois, tout ça, c'est Google qui en parle, hein. c'est le discours de Google qui s'affiche sur le sujet et qui parle des fonctionnalités qui, qui vont arriver incessamment sous peu pour certaines et d'autres, peut-être dans, dans quelques semaines, dans quelques mois. Comme vous le savez, on a des mises à jour maintenant qui sont de plus en plus régulières, donc j'imagine que Google va mettre de temps en temps, va piocher un peu à gauche à droite pour nous proposer à chaque fois, euh, pour nous tenir en haleine en fait dans, dans le temps, je dirais. On a parlé souvent du streaming d'applications euh, mobiles sur le Chromebook hein, notamment euh, moi sur le channel canary je fais pas mal de tests et j'en avais parlé euh, euh, récemment en plus dans un article et là Google affirme euh, enfin en tout cas parle de cette fonctionnalité euh, officiellement et là en fait on a plus de détails sur le streaming d'applications parce que on se posait forcément des questions en se disant euh, qu'est-ce qu'on va pouvoir streamer comme application de son smartphone Android sur son Chromebook Quid de l'intérêt de streamer un jeu vidéo que vous allez potentiellement retrouver sur le, sur le, le Play Store. Donc, quelles seraient les applications potentielles Et là, en fait, ce qui n'est pas bête, c'est qu'on parle plutôt d'applications de conversation, de chatting. Euh, Aujourd'hui, lorsque vous recevez des notifications de chat, vous devez. Enfin, sur Messenger ou bien sur Instagram, vous devez soit aller sur l'application Instagram du Chromebook, soit aller sur le site web euh, Facebook pour pouvoir euh, parler sur Messenger, mais vous avez aussi en une énième possibilité, c'est que vous avez sur le côté les notifications qui s'affichent et vous pouvez répondre directement sur votre smartphone, sauf que vous ne voyez pas l'intégralité de la conversation. Donc vous faites en fait en one shot une petite réponse. Là cette fois-ci, et eh bien ce serait de streamer eh bien, en temps réel une conversation d'une application en question. Ce qui n'est pas bête dans l'absolu, parce que vous n'avez pas à revenir sur votre smartphone, vous n'avez pas euh, uniquement la possibilité à répondre, de répondre en one shot. Non, là, vous pouvez en fait euh, travailler ou en tout cas interagir avec, euh, en conversation avec les gens que vous, avec qui vous parlez, euh, sans forcément être sur le smartphone directement à partir de votre Chromebook. Donc effectivement, la pertinence, je la vois de, de plus en plus, et, euh, et j'ai hâte en fait de la tester pour être froid avec vous. Et dernière. Euh, feature qui a été euh, qui a été euh, officiellement annoncé, même si on l'avait déjà relayé sur Chromebook Live euh, il, y a, il y a des, des mois de ça, si je ne vous dis pas de bêtises, eh c'est ce qu'ils appellent le caméra roll. Euh, c'est tout bonnement avoir la possibilité eh bien, de consulter vos photos et vidéos. De votre smartphone, bah directement sur votre Chromebook. Alors, à voir comment ça va être matérialisé, mais je trouve ça euh, plutôt sympa. Moi, il y a un truc que j'adore, j'apprécie vraiment, mais qui existe aussi chez Apple, hein, euh, sur Android en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que je me suis mis un widget avec, euh, une, enfin, avec un défilement, en fait, de, 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 de photos qui est aléatoire, mais pas vraiment aléatoire puisque Google en fait vous crée des petites stories comme sur Instagram et euh, va créer des sortes donc de petites histoires où on va dire où il va vous dire ben voilà ce qui s'est passé il y a un an et donc vous retracez un peu euh, quelques photos, quelques moments, en fait, euh, perso, peu importe, perso pro, bah, qui vous tiennent à cœur et qui font plaisir à avoir de, de temps en temps. Et pourquoi pas euh, ajouter cette fonctionnalité sur, sur Chromebook, alors au travers du de PhoneHub ou, ou pourquoi pas au travers de widgets. Hein, on a parlé euh, lors de la, du dernier épisode. Moi, le, les widgets sur Chromebook, sur le bureau, c'est quelque chose que j'aimerais voir arriver. Et j'ai envie de croiser les doigts en me disant que lorsque Android 12 va sortir sur Chrome OS, avec donc cette, euh, le design Material You, euh, on pourrait peut-être voir des choses arriver aussi sur Chromebook, hein, même si euh, la philosophie c'est d'avoir un, un bureau complètement vide d'icônes, mais les widgets ne sont pas des icônes et euh, les widgets peuvent avoir une, je pense, une vraie plus-value, actualité, agenda, même si l'agenda se développe. Je sais, il va pas être aussi beau que sur Android je, je pense euh, et on va de... moi j'aimerais bien éviter de devoir cliquer sur la barre des notifications en enfin, de statut pour accéder euh, à mon agenda j'aimerais le voir instantanément comme ça paf j'ai mes prévisions en live je sais que je vais avoir tel et tel meeting donc je ne sais pas ce que vous Pensez, en tout cas, ce que vous en pensez de, de ces actualités, euh, donc CES 2022, mais officiellement donc partagées euh, par Google. En tout cas, c'est plutôt un message qui est positif. Et je pense aussi qu'il y forcément Android évolue, donc il faut en parler. Et y ajouter en fait Chromebook, c'est encore une fois essayer de, de capter, euh, capter la population Android et dire, euh, bah écoutez, basculer sur, sur Chrome OS avec Android, euh, vous n'allez pas pouvoir faire ça sur, sur, euh, sur Windows. J'en sais rien, peut-être que c'est prévu, mais ce serait bien qu'il y ait effectivement des fonctionnalités un peu euh, exclusives euh, sur Chromebook pour les utilisateurs de, de smartphones Android, et peut-être même encore plus hein, pour les utilisateurs de, de Pixel, mais non, il ne faut, faut pas aller jusque-là. Euh, jusque alors vous, wow, ouais, vous avez quand même partagé pas mal euh, de choses, alors attendez... Ah, il n'a pas tort le Michou. Ok, là ça parle d'Apple, j'imagine. Ah oui, non, on y était tout à l'heure. Euh, salut Jérôme. Bo bonne année à toi. Euh, surtout que Google argumente sur les Chromebooks rapides, fluides et, pas abor et, et abordables aussi. Bah, après, ils restent finalement théoriquement abordables, même s'ils sont plus speckés. C'est-à-dire qu'ils sont abordables, mais avec des specs très grandes. Donc dans, dans cette gamme de specs. C'est censé être, euh, bah, censé pour moi être abordable, je pense. Christophe, le Chromebook est une machine légère que l'on trimballe partout. Ok pour 1000 euros, mais pas une station de travail fixe genre Chromebase. Tout à fait, tout à fait. De bah, toute façon, c'est le principe du Chromebook, hein, c'est euh, sans être tout simplement un ordinateur portable. Mais les avancées de Chrome OS, je vois pas pourquoi le prix augmenterait, Fred. Bah, en fait, imagine demain que, de euh, bah, toute façon, c'est en cours. On a le projet Borealis, donc Steam, qui va être installable directement sur, sur, sur le Chromebook, euh, qui va solliciter plus de, euh, plus de ressources euh, en termes de processeurs, des ressources graphiques. Donc il est effectivement pertinent d'avoir ce genre, euh, je dirais, de, de plateforme technique. Euh, par contre, je ne pense pas que sur un Chromebook, tu pourras faire, euh, encore une fois, du, euh, du Fortnite. Mais je suis pas, je ne travaille pas chez Google et je peux pas vous dire exactement euh, ce qui se trame parce qu'encore une fois, on, on avance aussi euh, dans le cloud gaming avec Google Stadia avec Xbox euh, Game Pass et, euh, et GeForce Now. Donc voilà, je sais pas où où, où est-ce qu'on va exactement, mais voilà, c'était euh, un scénario possible, Raphaël, ce que je me disais. Euh, Patrice pour les Suisses, Pixelbook dispo. Intéressant, Patrice. Bah, hésite pas à partager sur, sur quel site ou autre. Parce qu'on voit que Cédric est intéressé par du Azerty ou QWERTY. QWERTY, import USA. Bon, ok, c'est de l'import. Euh, imaginez un Chromebook avec écran pliant. Et oui, je l'ai imaginé, euh, <laughs> live Athenium. On n'y est pas encore. Déjà, euh, déjà, on a les smartphones pliants euh, qui sont euh, qui se démocratisent quand même de plus en plus. Hein. On est quand même sur la troisième version euh, du côté que Samsung avec le Fold euh, et l'autre version euh, pour, pour les pockets, pour les euh, pour les poches. On a, je crois, Xiaomi qui a sorti sa version, Huawei, je crois qu'il y a Oppo avec le Find X11. Je crois que c'est le, le, la bonne terminologie, enfin c'est le bon naming, mais uniquement en Chine, donc ça, ça arrive. Et on a quand même Asus qui a fait sa présentation lors du CES, je pense qu'on en parlera dans la seconde partie de l'émission. Euh, quand on va sur le marché français, j'attends de voir, je ne suis pas aussi optimiste. Ma photo sur Insta est faite comme. <laughs> Merci Raph, je vais, je vais essayer de partager juste après en seconde partie. Euh, Live atino, oui, mais vu que iPhone c'est mort, mort pour moi. Ah oui, ok. Bah écoute, à vérifier là, il y a Athenium si peut-être Google ne ferme pas uniquement qu'Android, etc. Merci David pour ton don de 5 euros, ça fait ultra plaisir. Euh, c'est super sympa, merci. Je <laughs> sais pas quoi te dire d'autre, c'est super euh, gentil. Enfin, il ne faut même pas forcément donner euh, l'argent. Déjà, faites beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit autour du, euh, du site et de la chaîne, et moi moi, je suis heureux. Hein. Au moins, plus, plus, on est, plus on est de fou, plus on rit. Voilà, je devais la placer. Ça par contre. Il faudra, bon, on en reviendra en seconde partie d'émission. N'hésitez pas à me, à me redire de, euh, de vous reparler. Euh, comment dire euh, Comment on pourrait appeler ça euh, de mettre en place un, un système de, de jeu euh, entre les vidéos que je vais réaliser sur Tech Live. Enfin, euh, n'hésitez pas à, à revenir là-dessus après si j'oublie. Article sur Chromebox aujourd'hui sur les problèmes de téléphone non détecté par PhoneHub. Oui, effectivement, Dominique. Enfin, moi, il m'a semblé certaines fois que j'ai des problèmes de d'appairage sur PhoneHub et j'ai en déjà entendu des personnes en parler. Mais il faut que je regarde ça. Euh, j'ai vu l'article, j'ai cliqué un peu dessus, j'ai pas eu le temps d'aller dans les détails. Une question. Depuis la mise à jour de ChromeOS en 96 stable, j'ai perdu l'accro. Je suis le seul. Pour être franc, avec toi, je ne l'ai même pas activé euh, la crosse. Euh... Attends, tu la, cro... la crosse. Tu parles du navigateur Chrome euh... Euh, indépendant euh, C'est quoi la crosse qui... Ça me rassure, il n'y a pas que moi qui connais pas. Tu veux dire la crosse La crosse, le projet de navigateur sous Chrome Made by Google, c'est ça. C'est ça qui est censé en fait, prendre le relais sur Chrome OS lorsque vous avez une machine qui, euh, qui arrive en fin de vie. Hein, où en fait le, les, les, les mises à jour de 8 ans euh, qui sont poussées par Google en termes de euh, de, de sécurité ne sont plus euh, ne, sont, ne sont plus euh, activées. Comme sur certains l'accro, Bah voilà. Enfin Jean-Michel vous donne les détails là-dessus. Euh, effectivement vous pouvez l'activer en mode euh, en mode stab. Mais moi je l'ai pas mis. Euh, je je trouve pas d'intérêt à le mettre en place Jean-Michel l'agenda j'ai activé le flag mais c'est pas encore finalisé car pas trop de paramètres et de liens non il y a pas de il y a pas d'intérêt encore Jean-Michel je trouve sur l'agenda euh, et j'ai encore mis à jour sur le mode camera, le channel canary rien. Christophe ça sent le fuchsia tout ça. Et écoute j'en sais rien fuchsia on en parle je crois qu'il est arrivé normalement sur les Google Nest Hub <coughs> mais pas euh, pas plus que ça euh, en termes d'infos sur le sujet. Ton lien marche pas. Il y a des PC pliants montrés au CES 2022, tout à fait avec le Asus, on va en reparler. Le mug. Micro... Euh, je vais regarder ça. Moi aussi, souvent des problèmes d'appairage sur PhoneHub. Bon, on va continuer euh, l'émission, l'épisode. Euh, on va parler. Alors, petit, on va dire petite parenthèse pour ceux qui ne sont pas en courant, même si j'en ai, euh, euh, ai parlé tout à l'heure. Eh bien, le Lenovo. Uh, ID Duet 5 Chromebook est disponible sur le marché français. Donc, vous pourrez, si, ça vous, si vous êtes en, dans une démarche où vous souhaitez acheter un Chromebook, eh bien, vous avez ce modèle qui est pour moi super euh, intéressant de par son format. Donc, on est sur un détachable de 13,5 pouces, mais qui va en plus proposer euh, une, une dalle OLED donc, on est sur euh, le successeur du, euh, je dirais, euh, du, 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 du Lenovo ID.Pad Duet Killer qui s'est vendu quand même, je pense, euh, beaucoup. En tout cas, moi, des, des informations que j'ai, euh, que ce soit sur Amazon ou en, en magasin, c'est un modèle qui a été super bien vendu. Et là, vous avez cette version de 13,3 pouces, donc disponible chez Amazon, je vous ai dit, chez Boulanger, euh, Fnac. Alors, vous avez chez Amazon la version 8Go de RAM à 128Go d'espace de stockage, tout comme chez Boulanger, par contre. Et chez, euh, et chez Fnac, sauf que le prix le plus intéressant, bah, il a l'air d'être chez Amazon. à vérifier si ça n'a pas été mis à jour. Il est de 654 euros. Par contre, vous avez une version chez Fnac euh, plus légère avec 4Go de RAM. Euh, personnellement, soit 64Go d'espace de stockage. L'espace de stockage ne me dérange pas. C'est plutôt les 4Go de RAM qui sont euh, un peu légères. Mais en tout cas, euh, ce modèle-là, euh, on est, je dirais, sur un concurrent de l'iPad Pro parce qu'on est quand même sur du 13,3 pouces. Euh, avec un écran compatible USI, à vérifier si le stylet, il faut bien vérifier, hein, lorsque vous achetez, si le stylet, lui, il est bien présent, euh, mais vous avez, je crois, un système magnétique hein, pour, le, pour, pour le greffer. En tout cas, ça, c'est vraiment un Chromebook qui me qui me hype euh, pour avoir en fait une sorte d'expérience un peu euh, mobile puisqu'il est détachable mais avec un écran un grand écran de 13,3 pouces pour euh, de 3 ou de 5 pouces je sais plus mais pour effectivement euh, du divertissement je pense que ça peut être euh, euh, intéressant donc euh, voilà n'hésitez pas à, à, à jeter un oeil et ça encore une fois si j'en parle c'est parce que c'est vraiment un Chromebook qui a fait parler de lui et euh, bah, qui arrive sur le marché français c'est toujours bon d'avoir en fait du, euh, des, des, des nouveaux modèles qui atterrissent en fait dans nos, dans nos magasins euh, Physique et virtuel, Enfin, sur les plateformes e-commerce, euh, e magasins spécialisés aussi en physique euh, euh, dans les centres commerciaux. Euh, on va se lancer sur la dernière ligne droite. <laughs> on va parler eh bien, de la dernière release de, de Chrome OS, la numéro 97. Hein. On, on, on arrive bien, bientôt au niveau 100, donc euh, on va voir ce que va proposer euh, Google en arrivant sur le 100 ou le 1. Point, euh, bref. On va voir comment ils vont le, ils vont le, ils vont décliner, décliner tout ça. Après, c'est pas non plus du 0,97, donc normalement on devrait arriver sur un, sur un, sur un chiffrement. Enfin, on, on devrait atteindre les 100. J'espère que ça va être une explosion de fonctionnalité. Euh, en tout cas, les mises à jour, la mise à jour, moi, est, est retombée, et hein, euh, redescendue sur mon Asus, euh, sur mon Asus, pardon, Chromebook Spin 713. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est toujours bon. À savoir, on n'est pas non plus sur des grandes euh, fonctionnalités. Donc là, on est rentré dans un rythme euh, de release toutes les quatre semaines. Toutes les quatre semaines. Donc finalement, en, en à peine, en quasiment, enfin environ un mois, vous avez à chaque fois, non, on est censé recevoir automatiquement une mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités. Là en l'occurrence, c'est l'application Galerie euh, qui, qui se met à jour sur notamment. Deux aspects. L'application Galerie, elle, originellement, vous permet d'ouvrir eh les, euh, les, euh, les fichiers, images, et vous avez euh, la possibilité ensuite de les retravailler euh, rapidement, ce qui, est, ce qui est super parce que euh, super pratique. Alors je ne sais pas, peut-être que sur Windows 11 maintenant c'est possible, mais euh, tu n'as pas besoin d'utiliser un autre logiciel, un hein, Photopea ou autre, pour faire des, petites, des petits, euh, des recadrages rapides. Hein. Bref. Quelques fonctionnalités intéressantes, vous connaissez l'application euh, Galerie cette fois-ci. Cette application en fait va être aussi en mesure d'ouvrir en fait des fichiers audio. Donc, si vous téléchargez un fichier audio et que vous le lancez, c'est l'application Galerie qui va l'afficher et il va les comme vous pouvez le voir euh, pour ceux qui nous regardent en live et eh bien euh, comme suit à savoir avec une petite jaquette euh, liée au fichiers audio. Donc, on imagine un mp3 euh, d'une grande star, euh, j'ai pas, pas de nom, mais Johnny Hallyday hein, euh, feu Johnny Hallyday euh, donc avec sa jaquette, le, euh, le nom de l'artiste ainsi que le titre et ensuite vous avez évidemment le player classique avec cette possibilité euh, de mettre sur lecture, pause euh, réduire le son et sur le côté gauche et eh bien vous allez aussi avoir un, un, un volet sur lequel vous allez en fait pouvoir euh, créer une liste de lecture, donc vous allez pouvoir donc imaginer, euh, lancer euh, la musique de Johnny Hallyday suivie du podcast Chromebook and Live, hein C'est pas beau, le monde est pas beau. <laughs> donc en tout cas, l'application euh, Galerie, elle, elle est déjà, elle était déjà responsive. Donc lorsque vous la mettez en full screen, vous avez ce premier écran où donc vous avez la jaquette sur le côté droit et le volet à gauche de playlist. Mais vous allez pouvoir aussi le, le réduire euh, à votre guise où le player se situera au-dessus avec donc la liste de lecture juste en dessous. Autre nouveauté du coup. Euh, lié aussi à cette application galerie, c'est que vous allez pouvoir en fait euh, générer plusieurs instances de l'application. quand on parle d'instance, ça signifie que, en gros, vous allez pouvoir ouvrir plusieurs fichiers, par exemple images et même audio, euh, au travers de plusieurs applications euh, galerie, ou en tout cas, c'est ce qu'on appelle des instances, euh, des occurrences, <laughs> euh, des affichages, on va dire, de l'application galerie. donc, en gros, prendre deux images et les coller par exemple sur les bordures de l'écran. Donc vous avez deux instances qui sont euh, actives de l'application euh, Galerie. Pourquoi pas? Effectivement, euh, certaines fois, on a envie de garder plusieurs images euh, ouvertes hein, pour euh, je ne sais quelle utilité là dans, dans l'immédiat, mais pour avoir un œil par exemple sur les ports USB, euh, sur les ports euh, sur le côté gauche d'un Chromebook euh, et les ports euh, du côté droit d'un Chromebook sur deux images en même temps pendant qu'on rédige l'article sur Chromebook Live, ça peut être utile, effectivement. Donc voilà, il y a quand même. Euh, voilà, j'ai pas l'utilité, la, la, la meilleure des utilités dans l'immédiat. Mais imaginez, euh, n'hésitez pas à partager des usages vous dans le chat si vous en avez en tête. Et alors, dernière euh, fonctionnalité qui est plutôt liée à de l'accessibilité, notamment à des personnes qui sont euh, malvoyantes, c'est euh, la loupe plein écran qui évolue hein, sur Chromebook et comme sur d'autres systèmes d'exploitation, j'imagine en tout cas Windows, hein, c'est le cas. Vous pouvez activer la loupe pour faire en fait un zoom et bien sur euh, une zone donnée de votre écran. Euh, originellement, le zoom. Se fait sur euh, vous pouvez le mettre en plein écran donc vous avez un zoom complet ok euh, qui se fait sur tout l'écran c'est pas une loupe en fait hein, c'est un zoom euh, un focus avec euh, tous les qui prend tout l'écran en fait de, de votre chromebook et lorsque initialement lorsque vous dirigez euh, si je vous dis pas de bêtises euh, attendez que je vérifie quand même ah oui à l'écran de suivre à la souris oui euh, pour pouvoir vous bouger en fait euh, en dehors de cette zone là, vous deviez absolument atteindre la bordure de la zone qui est affichée pour faire comprendre à Chrome OS qu'il fallait déplacer euh, la loupe. Hein je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. Là, cette fois-ci, en fait, le zoom se fait bah, donc il y a un zoom qui se fait, mais par contre, en fait, il y a un focus, il y a un suivi qui se fait directement sur la souris. Donc, si la souris se déplace et eh bien sur la gauche, le zoom se déplace avec la souris là où avant. On devait attendre que la souris atteigne une bordure pour voir l'écran être déplacé. Je ne, suis pas, je ne sais pas si je suis très clair, très clair là-dessus, mais en tout cas, si vous avez la mise à jour Chrome OS 97, eh n'hésitez pas à tester la, la, la fonctionnalité. Si qui sait, vous avez peut-être besoin ça peut vous être vraiment utile ou par curiosité euh, il suffit d'aller dans les paramètres dans la partie accessibilité et on a normalement affiché la loot plein écran et là vous avez plusieurs options qui sont euh, disponibles euh, donc voilà pour, cette, pour ces nouveautés de, de Chrome OS 97 il euh, n'y en a pas tellement que ça il hein, faut être clair mais encore une fois sur un rythme de mise à jour toutes les 4 semaines on ne va pas pouvoir avoir une révolution euh, chaque 4 semaines euh, dernière chose, donc là on va on va on va on va dire on, on va on va basculer sur cette partie un peu ce que j'aime bien euh, dire news euh, en bref en vrac peu importe pour ceux qui ne le savent pas et pour ceux qui par contre qui l'ont peut-être déjà vu, moi je suis curieux aussi d'avoir votre avis là-dessus et j'ai réalisé une vidéo on va dire des 10 astuces incontournables sur Chromebook ce, que, ce sont mes 10 astuces à moi que j'ai considérées importantes à vous, à vous partager donc ça a été une vidéo qui est, qui est parue donc sur, sur TechLive qu'est ce que vous en avez pensé pour ceux qui ont déjà vu cette vidéo est-ce que vous avez trouvé ce contenu intéressant et pour ceux qui, qui n'ont pas vu bah, n'hésitez pas à les jeter un oeil hein. notamment si vous débutez dans le dans l'univers le, des Chromebooks c'est toujours bon d'avoir des astuces euh, sachant que c'est plutôt des actus qui vont vous aider à être on va dire un peu plus productif comment activer les mises à jour comment accéder euh, très facilement à des euh, documents Google Workspace comment gérer la disposition euh, des fenêtres on voit ça et surtout à la fin attendez je sais plus c'est lesquels que j'avais mis ah oui alors moi euh, une astuce que j'utilise en particulier, c'est le basculement d'un onglet à un autre, ça c'est le truc qui m'a, je vais pas dire changer ma vie, <laughs> mais en tout cas qui m'a fait apprécier utiliser Chrome, mais vraiment à fond, c'est le fait d'utiliser les trois doigts pour passer d'un onglet à un autre, donc vous, vous faites un petit swipe à gauche ou à droite, sachant qu'en plus vous avez un petit témoin, pas un témoin très léger, lumineux, de passage d'un onglet à un autre, qui est super bien fait, qui est super discret, et qui, au passage, m'est vraiment utile au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder euh, cette, euh, cette, euh, cette vidéo. Autrement, donc une dernière news qui me vient en tête, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai rédigé un article euh, sur le sujet, et, euh, et à la limite, je vous proposerai euh, de le regarder euh, en détail, mais c'est juste pour vous montrer euh, l'importance de Chrome OS aussi euh, en entreprise. Hein, vous le savez, euh, pour ceux qui me suivent depuis le début, moi je suis intervenu sur le secteur du euh, euh, sur le marché du Chromebook en travaillant notamment pour un, 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 un grand acteur de la distribution. Euh, pour développer le business Chrome, mais à destination des, euh, des entreprises, et donc ça me passionne toujours de voir comment Chromebook réussit à s'insérer sur, sur le marché des, des organisations. Et j'aime bien partager euh, ces informations là. Donc, pour la petite histoire, il euh, y, a, y, a, y a la chaîne d'hôtels Nordic Choice Hotels. Là, je vous fais de la pure improvisation. Nordic Choice Hotels, qui est une chaîne d'hôtels norvégienne, euh, qui a malheureusement subi euh, une attaque de ransomware. Hein, le principe du ransomware, c'est qu'il y a, a quelqu'un derrière son PC euh, qui a réussi à installer un logiciel malveillant sur un ordinateur, sur un poste informatique, euh, qui va être en mesure de crypter les données de cet ordinateur et même certaines fois, enfin c'est l'objectif, c'est de propager ce chiffrement à tous les ordinateurs du réseau jusqu'à euh, même atteindre les, euh, les serveurs. Le problème, c'est qui vous chiffre les données vous, donc vous n'avez plus euh, possibilité en fait d'exploiter ces données au sein de l'organisation et, euh, et c'est lui en fait qui a la clé de, de décryptage. Donc l'intérêt du ransomware, donc c'est du ransomgiciel. aussi, Lui, ce qui va vous faire, c'est qu'il va vous contacter, il va vous dire, écoutez, moi j'ai la clé de décryptage. Est-ce que vous êtes prêt à aligner le pognon, <laughs> à, à, nous, à nous donner la valise remplie de millions d'euros afin de pouvoir récupérer l'intégralité de vos données euh, qui doivent être aussi garder leur intégrité et sachant qu'il y a aucune garantie hein, évidemment vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur, sur le marché euh, <laughs> on n'est pas en vraie économie hein, on est sur sur de grande pure euh, et de coup ce qui s'est passé c'est que euh, Nordic Choice Hotels alors je ne sais pas dans les détails si euh, ce qu'ils ont fait pour récupérer leurs données mais le souci c'est que s'ils devait à nouveau revenir dans une situation stable à savoir une situation saine avec des ordinateurs qui soient fonctionnels et continuer donc en fait sur du Windows il aurait fallu que la société euh, fasse un scan en fait de, euh, des, euh, des, des ordinateurs euh, c'est quoi exactement que je vous dise pas de bêtises parce qu'en fait on a eu le, le témoignage en fait euh, euh, attendez. Bref, en gros, ça leur prendrait trop de temps et même des semaines pour scanner chacun des ordinateurs, rétablir la situation et remettre en fait une image Windows sur les, euh, les postes en question. Et du coup, la société la, la s'est société décidée à basculer sous Chrome OS, non pas en achetant en fait des, euh, des devices sous Chrome OS comme un Chromebook, une Chromebase ou un, une Chromebox, mais en utilisant Cloud Ready. Euh, Cloud Ready, il y en a certains d'entre vous, je sais que vous connaissez bien la solution. Cloud Ready, c'est cette possibilité, cette capacité à pouvoir installer Chrome OS sur des ordinateurs qui euh, initialement tournent sous Windows ou bien sur, euh, sous macOS. Hein. C'est une, une solution qui a été initialement eh bien, créée par Neverware, société qui a été euh, complètement rachetée par Google, et donc Google qui a récupéré cette solution et qui la propose pour les entreprises. Et là ce qui est intéressant de noter, c'est notamment en fait les, les stats en termes de... En termes de, de déploiement, en gros, ils ont réussi à déployer Cloud Ready sur un hôtel en 24 heures. Et euh, en deux jours, ils ont réussi à euh, installer Chrome, du coup Chrome OS ou Clo, euh, Cloud Ready pardon, sur 2000 ordinateurs. Dans 212 hôtels et dans 5 pays euh, différents, ce qui est assez impressionnant. Alors évidemment, ça demande aussi de l'organisation, c'est-à-dire que derrière, il faut avoir une équipe informatique qui soit bien staffée et très bien euh, organisée. Hein, évidemment, enfin, Chrome OS ne fait pas tout, mais il faut que vous ayez des processus qui soient bien établis. Mais c'est très très impressionnant. Et là, au niveau du témoignage, ce qu'on entend, c'est que ben, Claude Redy... À apporter forcément un gain de temps, donc on n'a plus, on a plus ces quelques semaines pour rétablir cette situation sur Windows. Euh, une économie en termes de coûts, forcément, parce que vous n'avez pas besoin de racheter une flotte de matériel et qui sous-entend aussi euh, de l'émission de gaz qui a effet de serre, qui est, euh, qui est euh, clairement, euh, qui est clairement réduite. Et donc en choisissant Cloud Ready, euh, qui va normalement à terme équiper près de 6000 postes, si je dis pas de bêtises, je crois que j'avais lu ça mais je ne l'ai pas noté dans, dans l'article, et bien la société va économiser près de 6 millions d'euros et réduire sa consommation d'émissions de CO2 euh, de, de, de 1750 tonnes euh, et réduire également la consommation d'électricité à 25%. Donc ce qui est euh, assez fou en fait euh, en termes d'avantages. En termes d'avantages, il y a vraiment ce gain de, de temps et gain de coût. Ça veut dire qu'en gros, grâce à Cloud Ready, en deux jours... 212 hôtels pouvaient redevenir opérationnels. Vous connaissez quand même les contraintes. Vous avez certainement pris, pris des nuits d'hôtel pour aller en vacances ou autre. Bah forcément, il y a des il visiteurs euh, qui, qui, qui qui peuvent arriver. Euh, enfin, qui peuvent arriver à tout moment. Certains qui ont déjà réservé. Il y a les réservations à gérer. Donc imaginez euh, ce stress hein, au moment de la découverte euh, des, euh, des, des, des contenus chiffrés. Donc j'aimerais pas être à la place de, de la DSI, donc de la direction des systèmes d'information. Donc on va dire toute la partie, ce qui gère l'IT euh, du côté du client. Et que, en fait, euh, déjà de base, les mecs se disent oh, on va devoir prendre plusieurs semaines pour régler ce problème comment on va faire pour gérer le business et là, en fait, euh, tiens, Chrome OS, ça peut être la, la bonne solution. Euh, tout en sachant, alors, il faut noter, je crois hein, qu'un qu pilote avait déjà été entamé hein, avec Chrome OS. Euh, c'est pour ça qu'ils ont été aussi encore plus rapides euh, à, pour déployer ça. Mais en tout cas, comme je l'ai mis, hein, c'est vraiment une, une très belle histoire à raconter euh, pour Google. Je pense que c'est euh, voilà, un une très belle success story euh, qui devrait réussir à récupérer plusieurs clients parce que l'objectif, évidemment, de Google, c'est euh, de dominer le marché, ils en sont très très loin parce que Windows est là. Par contre, pour ceux qui ne savent pas, fin 2020, Chrome OS était le deuxième plus gros système d'exploitation euh, dans le monde dans le monde. Et là, j'aimerais bien savoir où ça en est euh, fin 2021 et peut-être qu'on aura une analyse de, de Canalis euh, sur le sujet. Donc je vois que vous avez beaucoup parlé dans le chat. Écoutez, je vais y répondre en seconde partie d'émission. Donc on arrive quand même à... Euh, ah, on a fait quand même à peu près 1h17 d'émission. Donc restez tous connectés. Euh, là, l'épisode, là, je vais m'arrêter hein, euh, virtuellement. Enfin, pour ceux qui... <laughs> Bref. Je vais m'arrêter uniquement pour pouvoir porter cette version au format euh, podcast d'ici demain, grand max, euh, après-demain. En tout cas, merci à tous pour votre présence, vous êtes encore 40 personnes connectées, c'est juste euh, fou, euh, pour votre présence, pour votre soutien, j'espère en tout cas que ce condensé de news euh, bah, vous a été très intéressant, il y a eu quand même pas mal de choses avec le CES et la mise à jour Chrome OS 97, et je vous dis bah, à tout de suite pour euh, la deuxième partie euh, de l'émission, et pour ceux qui nous écoutent au format de podcast ou qui ne peuvent pas nous suivre par la suite, et eh bien je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye Et nous voilà mais je peux remuer quand même la bouche. <laughs> Écoutez, je vais juste prendre un peu d'eau et enchaîner avec le café. Hein, parce qu'on en a besoin. Mais euh, ouais, il y a eu quand même pas mal d'informations partagées. Et je ne suis toujours pas sponsorisé par Evian. Je ne sais pas. Si vous, avez des, si vous avez des contacts chez Evian, eh <laughs> bien, n'hésitez pas à leur soumettre l'idée. Je reprends un peu le chat parce que vous avez pas mal, euh, vous avez pas mal avancé dessus. Euh, pour Funab, j'avais eu un problème. Ah non, ok, je m'étais arrêté là. Raph, moi je trouve que par rapport au Duet 10, le prix ne suit pas. Pour 300 euros, j'ai le 10 et pourquoi pas à ce prix bon, Ouais, en gros, pour. Euh... Ah oui, il est à 600 euros. Pour 600 euros, tu as effectivement 3 pouces en plus. <laughs> non, tu as 3 pouces en plus, tu as de l'OLED. Normalement, tu as aussi 8 Go de RAM parce que la Lenovo ID Duet n'est qu'à 4 Go de RAM. Moi, moi personnellement, euh, j'utilise surtout, enfin, euh, il me faut euh, du, euh, à minima, aujourd'hui, du, aujourd du 8GB RAM. Merci Christophe pour tes 5 euros. Merci, merci, merci. Continue ce que tu fais. Mais je te remercie. Je te remercie. C'est toujours, euh, toujours un plaisir. Euh, merci pour ton soutien. Et, euh, et j'ai hâte de voir ta prochaine création culinaire en écoutant euh, euh, Chromebook On Live. Tous anti-Covid, qu'est-ce que c'est Hein pourquoi tu poses cette question Je pense que ça doit être ironique. Hein Dominique, pareil. Je trouve le prix un peu au taquet. J'aurais préféré un 8Go de RAM à ce prix. Ah, oui, parce que tu as la version 4Go à 100€ de moins, je crois, c'est ça, à 500 et des bananes. Oui, ok. La loupe dans. Jean-Michel, tu vois. Oui, la loupe dans accessibilité, il faut bien penser au raccourci, au clavier CTR plus tout, donc le Everything Button plus M. Live Atinium, très bien. Euh, là, un court, rapide et bonne astuce, merci. Donc ça c'est pour la vidéo hein, j'imagine. Donc je vais essayer de voir pour porter. Enfin pour faire d'autres petits formats un peu comme ça qui peuvent être euh, du coup euh, qui peuvent vous livrer des, 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 des infos euh, rapidement. La euh, Là j'attends les prochaines astuces. Bah écoute, on va voir qu'est-ce que je pourrais faire comme autre astuce. Je réfléchis en fait, à voir des trucs un peu différents. Christophe, il s'est passé quoi avec tes cheveux dans la vidéo des 10 astuces et je regarde en fait la vidéo. Euh, oui, bah, il s'est passé peut-être que j'ai mis un peu de gel ou j'en sais rien. Pourquoi Il y a eu un raccourcissement des cheveux ou euh, euh, des cheveux euh, en pétard <laughs> Hello Nono, bonsoir, mise à jour fait à l'instant sur mon ACR 314. Bah écoute, je te souhaite une bonne découverte, même si bon, il faut que tu télécharges des fichiers audio hein, <laughs> ou que tu ouvres plusieurs images pour découvrir les, les nouveautés. Dominique, 2000 postes. Alors en fait, c'est 2000 postes qui ont été effectivement modifiés, mais euh, sur les infos que moi j'ai lues, en fait, l'idée c'est d'atteindre, je crois, les 6000 postes. Hello Clem, salut à toi. Claude ready, parfait pour découvrir Chrome OS. Le monde de RAF, et oui, tout à fait, et, et c'est maintenant que le meilleur moment de l'émission commence. Enfin, c'est le moment où vous pouvez vous acharner. Euh, de rien, j'aime bien ton contenu, simple, bien expliqué, merci encore une fois, là, ça, ça me fait vraiment plaisir vos retours. Euh, évidemment, j'entends des choses, vous me dites aussi de faire tel et tel truc. Malheureusement, euh, si je le fais pas, c'est que c'est un peu compliqué. On est censé aussi mettre en place un Discord. Euh, mais il faut que je vois comment le mettre en place. Et là, je sais que Julien souhaite m'aider. Et je sais pas si Julien était encore euh, sur le chat. Mais voilà, c'est super sympa que vous souhaitiez euh, m'aider. Je sais que Romain veut m'aider aussi sur le design du site. Mais ça aussi, c'est encore un peu, euh, un sujet un peu compliqué. Jean-Michel Dubois m'aide en tant que modérateur. Moi, ça fait toujours plaisir si, euh, voilà, vous pouvez m'aider, ne serait-ce que déjà par, par, en partageant euh, l'ensemble. Baptiste Fred a fait réduire la durée entre les mises à jour chez Google pour pouvoir faire ses 12 lives. <laughs> Elle est pas mal celle-là. Ah ouais, sinon je les aurais jamais eues. Mais heureusement qu'on a, on a quand même le CES, on a d'autres actualités. Je vous prépare des petits trucs. Hein. De, de, y aura, un, y aura une émission un peu euh, différente qui devrait arriver dans les mois qui, dans les mois qui arrivent, ce qui est logique, mais dans quelques mois en tout cas. Sanguis, le groupe hôtelier a payé plus de 10, million, euh, 10 millions d'euros. Je ne trouve plus l'article. Ah, tu pourrais récupérer les données? c'est juste fou si tu me dis 10, million de, 10 millions d'euros pardon c'est juste fou bon, en tout cas on a fait une économie de 6 millions si, euh, si devaient devait effectivement euh, réinstaller entre guillemets du windows ou tenter de revenir en arrière avec en plus euh, avec en plus quoi bah, tout ce qu'on a vu par rapport à, à la consommation euh, de, de co2 ou d'électricité. Euh. Avec un Discord, c'est cool. Non, c'est prévu, mais ça va prendre un peu de temps. Clément, je trouve que Samsung fait de très bons Chromebooks. Une vente en France est prévue avec le marché qui se développe. Alors, Samsung hein, est censé arriver incessamment sous peu en Europe. Le truc, c'est que je pense qu'avec la crise sanitaire, euh, ça n'a pas permis aux aux géants coréens, hein, je n'ai pas dit taïwanais, aux géants coréens de, de, de s'y installer encore euh, sur cette partie euh, euh, Chromebook. Hein, mais si, si tu connais bien Clément ou si tu as suivi un peu le marché à, à une époque, hein, eux, ils se sont complètement désolidarisés de l'Europe pour vendre en fait du, du laptop. Hein. Mais par contre, tu peux trouver déjà... Euh, en fait, ils, se sont, ils sont déjà revenus officiellement. Parce que tu peux en trouver sur Amazon. Euh, tu as des Samsung... Euh, non pas des galaxies mais c'est des Samsung Chromebook 4 si je te dis pas de bêtises ou 4 ou... plus ou j'ai plus la terminologie mais jette un oeil. Euh, ça c'est un truc que moi j'avais euh, suivi j'avais trouvé euh, euh, sur le site avec des commentaires même italiens mais sauf qu'en fait tu as une livraison prime sur le territoire français. Donc ça veut dire que euh, Samsung a officiellement ouvert les vannes... Euh, C'est pas dit, euh, Amazon faites ce que vous voulez. Non, non, ils se sont dit, euh, bah, tiens, ouais, ok, ouvrez les vannes sur euh, le grand public, euh, au travers d'Amazon, de, avec des modèles de Chromebook qui sont déjà existants. Mais par contre, ce, ce ne sont pas les Samsung Galaxy euh, Chromebook. Julien, j'ai déjà commencé le Discord, il faut juste en parler en vocal pour les modifs. Ah oui Ok, bah Julien, euh, tu es fou. <laughs> mais non, mais c'est bah Écoute, on, 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 se, on se captera. Bah, il faut juste voir comment faire, parce que moi je pensais que j'allais créer moi-même le, le, le Discord. Donc il faut voir comment gérer effectivement l'administration. On en discutera à un autre moment, effectivement. Euh, plus simple pour le Discord, Sylvain, merci. Euh, Raf, bon, j'ai deux Chromebooks, un Pixel 6, les Buds. faut vraiment qu'ils la sortent, leur Pixel Watch. Bordel, j'en ai marre de mon, de mon amasfit. Euh, normalement on devrait euh, bah non mais il le pixel le pixel watch devrait arriver sous peu hein. on, avait, on en a parlé lors de la dernière, du dernier épisode de Chromebook on Live hein, on a eu les euh, c'est John Prosser hein, qui avait euh, qui avait leaké pas mal des choses déjà sur le pixel 6. on euh, avait déjà parlé de la pixel watch avec des euh, des, euh, des assets marketing enfin des images il euh, y a déjà quelques mois de ça euh, et des choses qui ont été confirmées pas plus tard que euh, y a, y a, y a, mois de décembre je crois fin novembre début décembre donc ça va arriver un hein, raf euh, Christophe, merci Fred pour ce live stream, c'était nickel je vais mettre la viande dans le torchon car demain, de bonheur et de bonne humeur en cuisine, see you next, merci à toi bah, d'avance, bon appétit euh, pour, pour demain, j'espère que ce sera succulent Jean-Michel, oui je suis sur les Pixel Watch mais il faut voir le prix Bon, Jean-Michel, moi je, je ne doute pas sur le fait que tu vas les prendre parce que c'est toi aussi t'es quand, euh, quand même bien stuffé euh, euh, et étiqueté Google C'est vrai qu'on entend peu Michou en plus euh, pour essayer de nous, nous contrer un peu. Euh... Mais bon, Michou, là, il doit être sur, euh, sur son iPhone, c'est pour ça. Et sur iPhone, il ne peut pas regarder des vidéos sur YouTube, on s'en doute bien. Euh, Dominique, bonsoir. Ah oui, vous passez le, le bonsoir. En tout cas, voilà. Euh, je voulais qu'on qu discute un peu. Euh, du CES 2022, mais hors scope Chromebook, et voir quelles sont en fait les innovations que vous avez retenues, ou en tout cas qui vous ont, qui vous ont, euh, qui, qui vous ont créé pas mal de, 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 de curiosité. Moi, je vais commencer. Euh, alors, déjà, il y a, euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu je, je, un concept, je vais appeler ça un concept car de BMW, euh, qui a poussé, euh, je ne sais pas si je peux vous diffuser les vidéos en même temps, j'ai peur en fait pour les droits. Euh, la dernière fois j'avais fait ça euh, et je remercie Jean-Michel Dubois pour ça. Mais non, 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 je sais. Bref, j'avais fait, fait tourner euh, Bonne nuit les petits et Bonne nuit les petits. Euh, J'ai reçu une alerte de YouTube sur le sujet. Euh, attendez, je vais voir si je peux quand même tenter et au pire je couperai euh, euh, par la suite si je reçois une alerte. Mais euh, attendez, attendez. On ne peut pas avoir quelque chose d'officiel de BMW, parce qu'en général, je pense que ça leur pose pas de problème. En gros, c'est un concept -up car dont la couleur, dont la voiture, en fait, euh, enfin, dont euh, la, calo la carrosserie, pardon, euh, change de, de couleur. Alors, attendez, je vais mettre ça, je vais baisser le son, quoique c'est déjà baissé. On va juste attendre. Ah oui, bon, forcément, j'ai la publicité qui s'affiche. Euh, oui, c'est la voiture qui change de couleur. La technologie qui est euh, mise en place là-dedans, c'est... Euh, Comment on appelle ça C'est d'encre l'encre noire. C'est la société, euh, si je dis pas de bêtises, e-ink, euh, qui, euh, qui équipe déjà, en fait, les, vous savez, euh, comment on appelle ça Les e-readers, c'est les... Euh, attendez, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si oui, ici, vous voyez normalement l'image. En gros, la carrosserie change de couleur. Alors évidemment, pour le moment, on ne part que sur de la, des teintes plutôt euh, euh, noires ou blancs. Et euh, voilà qui vous permet en fait d'avoir un dégradé, euh, de d'avoir même des animations en fait finalement sur la, la carrosserie. Et moi j'ai trouvé ça fou. Alors pour le moment, ça peut faire un peu kéké, mais euh, est-ce que demain, ça pourrait avoir une utilité en termes de publicité Vous savez, hein, vous avez des, des sociétés qui... Euh, bah vous, avez, vous avez déjà vu des voitures qui euh, apposent en fait, des, euh, des logos de sociétés euh, externes sur, euh, sur leur voiture pour effectivement obtenir une rémunération aussi. Bah, on peut imaginer avoir ça en temps réel, ce qui est assez fou. Imaginez avec des capteurs qui peuvent vraiment justifier le fait que la voiture est à l'extérieur. Et donc, euh, voilà, c'est un système euh, d'encre noire. Donc, géré euh, par là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, euh, de, de votre côté. Mais bon, en tout cas, c'est impressionnant jusqu'où on va. Euh... parce qu'on aurait imaginé qu'effectivement c'est des vrais écrans mais en fait ça reste des vrais écrans hein, parce qu'on va avoir, euh, on va avoir des, des, des pixels ou en tout cas je ne sais pas comment, euh, comment on appelle ça mais on aura vraiment une, une dalle qui va être capable de, de projeter ça et, et vous voyez dans le temps en plus on a des, des smartphones qui sont pliants donc la, la technologie euh, du pliant en fait n'est plus vraiment un, un problème donc euh... et oui les e-readers c'est les liseuses j'oubliais euh, j'oubliais donc les, les liseuses comme la Kobo que vous avez chez FNAC ou je ne sais plus c'est la... Je ne sais plus quelle est la... c'est quoi le nom de la liseuse du côté d'Amazon. Mais bon, en tout cas voilà, ça j'ai trouvé ça intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez vous euh, Je reviens un peu sur le chat pour voir ce que vous nous dites. euh Dois vous laisser. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à Didier. Merci encore une fois pour ta présence. Euh, Jean-Michel, dans Chromo, les news n'apparaissent pas dans les nouveautés. Les news n'apparaissent. Alors ouais, ça je l'ai remarqué sur plusieurs en fait euh, mises à jour. Je pense qu'en fait dans les nouveautés tu n'auras soit c'est un problème chez eux, hein, c'est un problème chez Google, mais moi je pense que euh, dans les nouveautés tu n'auras uniquement que je dirais les mises à jour majeures. <coughs> Là, typiquement, on est plutôt sur une mise à jour mineure. Donc, c'est pour ça que je me dis, quand il y aura Chrome OS 100 qui va arriver, c'est là où peut-être qu'on aura la totale, hein, avec le streaming d'applications, les photos via FunHub, euh, et qui s'afficheront, je pense, euh, dans les nouveautés. Hein. Bachir, un proc, Tensor-like pour Chromebook, tu penses court terme ou moyen terme Oh, je pense plutôt euh, moyen terme. Bon, à terme, si c'est pas long terme. Enfin, à long terme, c on... je crois que c'est plus de 5 ans, mais non, non, euh, moyen terme, je dirais Bachir, on... il y a quelques petites informations qui met à prendre vraiment avec des pincettes où on parle d'un futur Pixelbook avec euh, du Google Tensor pour 2023. Mais euh, je dirais même plutôt fin 2023. Hein. Mais quoi qu'après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais je ne préfère pas qu'on qu espère hein. on verra bien ce que ça donnera. Euh, Raph, je pense pas au dessus de 200, mais pourquoi pas plus. Mais faut que la montre soit très haut de gamme et je passe. Je pense pas en termes de tech, on verra bien. C'est une, euh, ouais, une bonne, enfin, bonne remarque. Je sais pas ce que vraiment va donner la Pixel, euh, la Pixel Watch, parce qu'on est, euh, on a des plus, plus, plus ta montre est spequée, plus tu, moins de, de temps d'autonomie. Tu vois, hein. on a l'exemple parfait avec la Apple Watch. On a aussi <coughs> la Samsung Galaxy euh, euh, Watch qui est, euh, c'est c'est la Quatre, je crois, euh, qui aussi, ont des euh, durées de vie, font une autonomie euh, d'une du, journée ou un peu plus. <laughs> ce qui, en termes d'usage, est pas, est, est pas tip top. Après, la question à se poser, c'est ce que vous préférez. Est-ce que vous seriez prêt à garder votre watch euh, toute la nuit ou pas? Là où on a dans, sur le marché de plus en plus de, de montres entrée de gamme jusqu'à aller moyen de gamme entre. Euh, entre 50 et même 200 euros, qui arrive à tenir pendant une quinzaine de jours. Moi j'avais la, la Honor Magic Watch 2, je crois, que j'avais payé aux alentours de 200 euros, qui était superbe, vraiment superbe pour le coup, euh, et qui avait une autonomie de 15 jours. Et euh, j'ai là la Realme que j'avais testée sur la chaîne, qui est super petite, qui est euh, très sympa, je pense, qu était dans les, qui est dans les 70, je crois, ou 80 euros, 80€, en tout cas moins de 100 euros, et qui fait très bien l'affaire qui fait très bien l'affaire et qui a surtout une durée de vie même de plus de 15 jours, enfin une autonomie de plus de 15 jours. Monsieur Michou, je peux faire plusieurs choses grâce à mon iPhone. <laughs> Heureusement que tu as maintenant la superposition de vidéos sur, euh, sur YouTube. Il semblait que peu de monde il y avait. La voiture qui change de couleur, oui tout à fait, mais tu t'en fous des droits, t'es en live et pas rediffusé. Bah écoute raf en fait, le truc c'est que euh, moi le live ensuite est rediffusé. Je dirais, il reste en fait sur, euh, sur la chaîne. Donc, euh, tu, as, euh, tu as effectivement ensuite une analyse des, euh, des droits d'auteur. Oui, c'est ça. Par contre, tu auras marqué quoi sur la carte grise J'ai vu ça. La carrosserie change de couleur, sauf le cache réservoir. <laughs> bah, il y aura écrit euh, technologie Inc. Euh, en, embarqué. Euh, <laughs> euh, couleur été hiver, être attenuum, mais c'est clair. Moi, j'aime bien, Julien. Oui, écoute, franchement, c'est super sympa. En tout cas, technologiquement parlant, euh, ça, ça en jette. Oui et non, car en course poursuite avec la police, imagine le truc. Ah ouais, non mais très bonne remarque si, si tu hack le système et tu te ouais, tu peux te camoufler très rapidement. Donc non non, très bonne remarque à voir comment comment en fait ça va se matérialiser dans le temps, excepté peut-être qu'on aura uniquement des petites couches un peu parties par là et non pas sur toute la carrosserie. Euh, je pense que oui, ça va être ça va être réglementé. c'est une, une certitude. Mais par contre, t'imagines demain, tu, euh, tu as une voiture et tu veux jouer au voleur et que tu, euh, tu arrêtes un peu le système en imposant toi-même tes links. Effectivement, tu peux euh, plus ou moins passer inaperçu. Bon, après, ça ne change pas. Non, tu n'es pas changé aussi. Enfin, tu peux changer aussi tes plaques d'immatriculation, mais euh, c'est compliqué. Tu peux te faire euh, tu peux te faire mort. Mais, euh, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant, le, le sujet est intéressant. Une carrosserie aux couleurs de Chromebook Online Oh, quand même pas. Jean-Michel, tu, tu vois très loin, là. Là, c'est du très, 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 très long terme. <laughs> <laughs> Dominique impressionnant. Euh, use kickers sur la carotterie, cela coûte moins cher. Oui, c'est ça. C'est la solution, hein, use kickers, non Il y a des stickers, pardon. Je pensais que tu parlais de la publicité. Beaucoup de pollution pour pas grand chose, la BMW. Ah, d'ordre général. Clément, énorme. Raph, dans les nouvelles techs, via une entreprise française, je suis plus hypé par la technologie qui permet d'avoir du 5.1 ou même du 9.1 sur deux simples enceintes. C'est juste incroyable. Info via PP Word. Ah, j'ai pas regardé. Ouais, ouais, il a fait en plus une vidéo là. Bah, de toute façon, il est spécialiste dans, dans l'audio et même l'audiovisuel, si je dis pas de bêtises. Enfin, même sur écran, les écrans, etc. Euh... Ouais, mais bon, ça, ça, malheureusement, pour moi, c'est trop euh, euh, virtuel pour le moment. Enfin, je veux dire, moi je suis pas un spécialiste du son, je pense que j'ai même pas l'oreille. Après, bon, si tu me dis que du 5 points au 9 points, arrives à quelque chose d'énormissime. Mais je regarderai, je un œil. Mais si tu peux mettre Raph, ce que ça apporte vraiment en, <coughs> en plus-value et en changement, moi je suis preneur. Elle sera sur Wear, donc de toute façon, pas de batterie. <laughs> C'est bien résumé. Moi j'ai une Xiaomi Mi Band 6, deux semaines d'autonomie, moins de fonctionnalités qu'une watch, mais je préfère ça à la recharge tous les jours. Ouais, j'avais, Julien, moi aussi, des... J'adore. Les Mi-Bands sont vraiment super. Pour revenir sur le double Atmos sur deux antennes, c'est vraiment incroyable. Pour l'instant, c'est hors de prix, mais je vous le jure, c'est incroyable. Je regarderai ça, tiens. Je pensais que tu coupais la fin de ta vidéo. Non, je sais pas... J'ai coupé... Non, non, j'ai rien coupé. N'hésitez pas à me dire si je suis toujours en live. Euh, Clément, comme c'est mon premier live, je suis consultant pour un constructeur aéronautique basé à Toulouse. Ils utilisent depuis un an la suite Google, Fini, Microsoft, peut-être bientôt des Chromebooks. Du coup, eh bien écoute, Clément, si tu as des news, n'hésite pas à me tenir au courant. Je suis intéressé, euh, je suis intéressé pour voir si effectivement ça peut euh, euh, avancer, mais je pense savoir de, de qui tu parles. Clem, j'ai une, une Xiaomi Mi Watch, c'est top, excellent rapport qualité prix. Voilà la Mi, la Mi Watch aussi, donc on est à un niveau supérieur par rapport à la Mi Band, et on est, je pense, à un équivalent de, de la Realme. Hein. C'est ces petites watches un peu maintenant carrées, rondes, euh, accessibles financièrement. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres choses qui vous avaient marqué pour le CES. Moi, j'avais quoi d'autre Je vais essayer de vous retrouver ça. Euh... Bon, après, ça va. Euh... Is... Enceinte, une autre technologie qui était plutôt intéressante. Je sais de vous trouver le truc. Comment je vais vous trouver ça Je sais même plus où est-ce que j'ai regardé ça. Euh, C'est une société. Euh, Alors attendez, son. On va taper juste son. Peut-être que je vais tomber dessus ah, je ne le trouve pas. si vous trouvez le nom, je serais, euh, je serais bien intéressé. en fait, c'est une société euh, israélienne qui propose une technologie euh, qui embarquerait, en fait, des, des enceintes des, des haut-parleurs et qui serait capable, en fait, de, de diffuser du son uniquement au niveau de vos oreilles. en gros, le principe, c'est pas tant en fait euh, la, la technologie de son qui va être capable elle elle va, euh, elle va sortir en fait des ondes sonores sauf que Derrière, vous avez un capteur, en fait, on va dire de présence. C'est comme ça, je l'ai compris. Un capteur de présence qui est capable même de modéliser, donc entre guillemets, vos, virtuellement votre tête euh, avec vos oreilles et de dire, balance-moi le, le faisceau sonore euh, vraiment au niveau de tes oreilles, en fait, dans un dans un spectre assez, euh, dans une étendue qui est assez assez restreinte. Et donc, ce qui fait que lorsque vous êtes enfin en, en, enceinte de ces haut-parleurs, bah, vous entendez très très bien. C est, c est... Je l'ai pas testé, mais en tout cas, c'est ce qui se dit. C'est ce qu'on voit en vidéo quand ils ont approché les caméras près près de en face on va dire du, du de la techno euh, donc vous entendez très bien et dès que vous vous déplacez un peu bah, vous entendez moins jusqu'à ne plus rien entendre ce qui fait qu'en gros enfin euh, ce qui est fou <laughs> déjà d'une je trouve ça assez, assez fou en termes de, de, de technologie donc vous pouvez imaginer euh, les usages euh, au quotidien quoi vous avez plus besoin de mettre un casque sur votre tête euh, en entreprise euh, bah, ça vous permet en fait d'avoir euh, plus de, de alors, plus de confidentialité hein, dans l'absolu à partir du moment où en fait votre collègue il est même pas, enfin, un peu plus loin de quelques centimètres de, 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 de vous, en fait, il n'entend pas le son qui est émis, donc il ne peut pas suivre votre visioconférence, enfin, votre meeting sur lequel vous êtes sur Google Meet ou bien sur Teams, euh, ou bien sur Zoom, hein, pour citer trois marques, comme à la télé. Bref. Voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, je ne retrouve pas du tout euh, le, le constructeur, c'est un. Enfin, l'éditeur, celui qui est à l'origine de la technologie, qui est. Euh, normalement, c'est une société israélienne qui est euh, gérée par un Français. Euh, je ne sais plus sur quoi j'ai vu ça. Euh... Alors, attendez, on va quand même regarder. Je vais taper sur Google directement et non pas sur YouTube. CES2022. Euh, oh, enceinte. Hop. face Non. Ok, non, en fait, il ne me trouve rien. Euh, son oreille. Il ouais, va me trouver forcément un casque. <laughs> Las Vegas du son. Le son du futur. Ah, c'est peut-être ça. Attendez, attendez, attendez. Le son du futur, non. Ah, ah non, c'est pas ça. Ah. Non, ce n'est pas ça. Ah, je crois que si c'est ça, c'est bon, j'ai trouvé, je crois. Je me suis souvenu du nom là quand je l'ai lu. <coughs> Alors, c'est une technologie de best -thing. Bon, on va afficher un truc. Hop. Voilà, on va, on va réafficher quelque chose du parisien. Alors attendez deux secondes, le temps que la publicité décolle. Voilà donc haut, vous êtes censé voir ça euh, bon il n'y a, a pas le son mais donc là ce qu'il est en train de vous dire c'est qu'il est en train de se déplacer et il n'entend plus rien, est-ce que vous avez en face euh, je peux... non je pense pas que vous voyez ma souris je sais pas, mais en tout cas vous avez donc le, le haut-parleur, juste à côté euh, le haut-parleur hein, voilà, qui, qui vous montre et c'est ce, euh, ce haut-parleur qui vous transmet directement le son mais c'est finalement un son qui est localisé par, vos, par rapport à vos oreilles et moi j'ai trouvé ça juste fou, donc voilà euh, permet d'écouter un son de manière privée la smart, le smart, la smart beaming est présente au salon de la Tech. Ah bah voilà, c'est de la Smart Beaming. Donc là, c'est le responsable de la boîte. En plus, j'avais regardé cette vidéo du Parisien. J'étais tombé dessus euh, dans, dans les actus. Alors, attendez, je vais juste aller sur Instagram parce que je sais que Raph avait pingé, si je dis pas de bêtises. Hop, je mets ça en story, euh, Raph. Hop. Ces poches émettent des sons audibles. Un module 3D capte à chaque instant la position des oreilles. Donc voilà, comme ça, du coup, il peut, entre guillemets, remodéliser un environnement 3D. Enfin, c'est ce que j'en comprends. Et dès que en fait vous êtes plus visible euh, face au, au capteur, donc euh, ça f... enfin vous avez plus son. Il y a eu un petit bug, monsieur Michou. Ah ok. Ok c'est noté. Normalement j'ai pas de... Normalement j'ai pas de problème de connexion. Pour info, j'ai reçu mon casque Bose en cadeau de mon Pixel 6 Pro et il est top, j'entends bien le live. <laughs> ah, tu, tu fais un retour d'expérience en live. Non, mais au moins c'est intéressant que tu l'aies reçu, hein, parce que ça faisait partie effectivement de l'offre initiale. Julien, oui, la Mi Watch euh, aussi, mais j'attends la Mi Watch 2. Le Pixel Pro, le problème réseau cellulaire est résolu ou pas Non, pas encore la mise à jour de Pixel 6. Est repoussée vers le 12 janvier. Ah oui, donc il y, eu, euh, y a eu effectivement des problèmes euh, de réseau je suis intéressé par. J'ai pas suivi la news. Bonsoir Dali. Oui, noveto system, tout à fait monsieur. Je vois que tu... tu tu connais très bien. J'espère que tu vas bien. Euh, ton truc rejoint un peu la tech de la vidéo de PP. En fait, il explique par exemple que c'est des algorithmes, des, al... oui, des algorithmes qui diffusent le son sur certaines fréquences et notre cerveau l'entend venant de derrière. Ok. 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 Je n'y connais pas grand chose, mais j'ai trouvé ça passionnant. Bah, je jetterai un œil hein, aux vidéos de Pépé, il fait des super trucs, lui, sur, sur l'audio. Après, il est, il, est, il est vachement calé, c'est un, un truc de fou. <coughs> en parlant des smartwatches, j'ai bien aimé le concept de bague connectée présenté par la start-up Circular, mais de mémoire, je crois que Google avait quelques projets sur le sujet. Ah, attends. Eh bien, écoute, on va, on va découvrir un peu en live. Tu me dis, euh, c'est quoi C'est une bague connectée euh, bag, je vais taper bag circular. Bag circular. C'était au CES 2022, Clem? Parce que du coup je, je trouve pas... Je trouve pas d'infos là-dessus. Bac connecté circulaire. Bah si, si tu peux en dire plus, peut-être Clem, sans forcément... Euh, euh, bon là j'arrive pas à trouver en fait sur, euh, sur YouTube. Par contre, je suis curieux de savoir l'intérêt de la bague. Est-ce que, euh, est que du coup c'est quoi ça, ça vibre uniquement quand tu reçois une notification Est-ce que, euh, est que derrière il y a un écran J'ai des doutes là-dessus. Enfin, euh, je pense pas. Euh, Est-ce que euh, ça te permet, j'en sais rien moi, peut-être de payer via NFC Après, encore une fois, tu fais pas de, tu fais pas de reconnaissance. Enfin, euh, il n'y a pas de entre guillemets de déverrouillage de bague. Hein, euh, donc, c'est à dire que n'importe qui pourrait prendre en fait euh, ta bague et du coup, en fait, euh, pourrait payer sans reconnaissance en fait d'identité. Donc, c'est un peu un peu compliqué. Donc, n'hésite pas à donner des, des précisions. Ah, Julien, toi aussi, t'as reçu le Bose. Non, super, ça veut dire qu'ils ont, ils ont, euh, ont respecté leur engagement. Euh, Dominique, merci encore une fois pour ta présence à toi et pour tout soutien régulier. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée à toi. Et bonne nuit. bonne nuit. Raph, idem, reçu le Bose. Oui, le Pixel a eu pas mal de soucis sur la dernière mise à jour. Ah, ouais, vous avez quand même eu euh, euh, tous vos Bose, c'est super. Mais euh, pour le Pixel, ouais, je suis pas au courant pour toute la partie cellulaire. Bah, écoute, c'est bizarre ça. Attends, CES 2022 sur YouTube, je trouve pas Circular. Circular. Euh... Par contre, moi j'ai un autre truc qui a l'air pas mal aussi. Euh... Mais attendez, on, on va continuer rapidement. Je vais essayer de trouver Circular. Euh... Startup. Alors oui, les startups. Raconte, on n'a pas forcément envie de porter... Ah, alors j'ai trouvé... Il n'y a pas de vidéo sur le sujet. Mais je trouvais un article du Nouvel Ops. Et bah, il faut avoir un abonnement. <laughs> J'en ai pas. Euh, Including LG. Circular Develop. Tiens, Business France Tech. Je ne connais pas le site. On va voir. Est-ce que Circular... Comment ça se fait que Circular n'a pas une seule vidéo développe alors circular développe une bague intelligente avec des biocapteurs intégrés qui permet une véritable solution portative 24 heures sur 24 7 jours sur 7 la bague est connectée à une application mobile qui analyse ah oui ah oui ça c'est important ça oui, euh, qui analyse les signes vitaux de son utilisateur, mesure du cœur, saturation en oxygène, rythme respiratoire, température et mouvement, elle est dotée d'un assistant numérique qui fournit automatiquement des recommandations de bien-être personnalisées et exploitables concernant l'amélioration du soleil, de l'activité, de la récupération, de la santé générale. Alors écoute, ça c'est super intéressant ce que tu dis parce que là c'est vrai qu'on est sur l'axe de la santé qui est, euh, qui est euh, hyper important. Et où les grandes la tech hein, s'orientent forcément parce que bah, c'est du business. Hein, la santé c'est du business et, euh, et ça me fait penser à un autre chose. À autre chose donc effectivement on pourra mesurer, euh, faire des mesures du cœur, euh, mesurer la saturation en oxygène, le rythme respiratoire, la température et le mouvement. Non, non ça c'est génial. Et moi je rajouterais juste la vibration pour pouvoir me lever le matin. <laughs> Parce que c'est vraiment l'intérêt de moi de ma l'un des, des plus gros intérêts c'est le fait qu'elle me lève le matin sans forcément et eh bien activer la sonnerie de mon smartphone qui risque de réveiller tout le monde donc, euh, donc voilà ça c'est je pense que petite bague comme ça discret ça pourrait ça pourrait être effectivement plutôt super et en parlant de la santé hein, on va revenir à un sujet qui pourrait intéresser notamment Michou et aux fans d'Apple, euh, Apple a sorti, je crois début d'année, une vidéo, euh, une pub, vantant les mérites de sa euh, smartwatch. Alors attendez, euh, tch, tch, Apple Smartwatch Commercial, j'ai trouvé... Euh... Ah ouais, c'est génial. Je vais vous le diffuser. Même moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais il vous faudra en fait la petite musique qui va à l'arrière et les personnes en fait, ju juste pour la mise en situation, euh, c'est des personnes qui sont euh, en détresse et qui ont, euh, grâce à la Apple Watch, euh, bah, tout simplement pu appeler en fait les, les, les secours. Je vous laisse juste rapidement lire les sous-titres, de toute façon, elles ne durent qu'une minute, mais 911. Alors attendez, on va les mettre en français. Attendez, ouais bah super, moi je pars déjà à la fin du truc. Euh, les sous-titres c'est où déjà Sous-titres oui je peux pas les paramétrer plus que ça. Anglais. Je ne vais pas les mettre en turc. Bon, globalement, euh, en fait, grâce à l'Apple Watch, vous pouvez appeler le 911, hein, qui est la ligne... Euh, lorsque, enfin, la ligne des urgences. Des urgences hein. Et donc, on a plusieurs cas de personnes. Une personne qui est dans sa voiture et euh, la voiture est en train euh, de, euh, de prendre l'eau. Enfin, euh, et Je pense qu'elle a dû tomber en fait dans, 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 dans soit dans un lac. Euh, dans un fleuve, bref, la, la, la voiture commence à se remplir, et elle appelle rapidement le 911 grâce à sa montre. Euh, on a quelqu'un qui se brise la jambe, euh, qui appelle le 911 aussi. Donc en fait là, il y a un vrai intérêt, moi, que j'apprécie euh, vraiment, qui est apporté par la, par la Smart Watch. Et là, ce qui est fou de se dire, c'est qu'on joue là-dessus, encore une fois, pour créer du business, mais on apporte une vraie... Utilité, hein. je crois que sur le Pixel, sur les Pixel Phone aussi, si le smartphone vous pouvez activer, activer cette fonctionnalité, j'ai plus le nom, mais si détecte en fait un fond mouvement où, euh, où, vous, où vous tombez brusquement et euh, il est capable en fait d'évaluer le fait que c'est un mouvement qui est inhabituel. Et peut appeler soit euh, les secours, soit appeler euh, quelqu'un de votre famille euh, euh, un peu en urgence. Donc euh, voilà, j'ai trouvé ça, enfin euh, en tout cas, euh, Apple a, joué, a bien joué là-dessus parce qu'il joue vraiment sur ce côté un peu santé, euh, sauvetage de vie et compagnie. <laughs> Raph, la bague, moi, me hype pas. Après, je vois pas ce qu'elle fera de plus qu'une montre. Bon, en fait, elle sera quand même plus discrète qu'une montre. Et, euh, et tu pourrais peut-être opter pour une montre euh, euh, qui soit au lieu qu'elle soit axée forcément santé, qu'elle soit plutôt axée sport, mais qui sera un peu comme les Wissings, tu sais, une montre très design, euh, qui est très classique en termes de design, mais qui va t'avoir un petit écran discret pour certaines choses, les notifications, dès que tu as besoin de lire, etc. Donc il euh, y a évidemment le support de, au niveau de l'écran. Clem, tout. Tout ce que fait une smartwatch mais sans les notifications et je pense avec l'appui d'une application. Ouais c'est ça ouais. J'ai retrouvé un article sur usine Digital. Bah écoute, de bon, toute façon on a, on a déjà passé un peu euh, en revue euh, la bague, donc c'est exactement ce que fait une montre, donc une bague à la place, pourquoi pas, mais j'ai bien le. Mais j'ai bien le petit écran. Oui, pour sauver des vies. Euh, Monsieur Michou, forcément, bah <laughs> je l'ai vu, elle est top. Non, non, mais pour le coup, elle est vraiment bien. Tu vas pas nous mettre la vidéo Apple Non Non mais si, si quand même. Allez, je vous, je vous ai dit, je ne suis pas non plus euh, extrémiste dans les technologies, donc euh, faut, faut saluer quand c'est euh, bien quoi. Cette fonctionnalité ex existe déjà depuis un an je crois. Ah, du côté du pixel tu parles ou chez Apple La nouveauté de l'Apple Watch, elle donne l'heure, je rigole. <laughs> Attendez, je, je sens que Michou a peut-être réagi aux commentaires, je vois, je vois du bleu en dessous. Mais Google fait ça aussi. Bah écoute, je sais pas s'ils font ça euh, RAF sur du euh, sur Wear OS, euh, Wear OS, pardon. Quelle magnifique chaîne pro Apple, je m'abonne de suite. <laughs> Appelle tous tes potes là d'Apple, oui, dis-leur de s'abonner. Puis ils vont mettre merde, ils vont mettre que des pouces en bas. Euh... Jean-Michel les pixels appelle aussi automatiquement les secours en cas d'accident. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est en mesure de, 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 de détecter un mouvement qui est pas naturel ou qui va se rapprocher, comme tu le dis, euh, d'un accident. Donc je ne sais pas si euh, c'est vraiment si par exemple je chute et ce qu'il considère immédiatement qu'il se passe quelque chose, ou si je chute et le téléphone en fait n'est pas encore pris dans les mains de quelqu'un, c'est que se passe quelque chose de, de 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 mal. Bref, enfin on est en situation de détresse. La montre lance les appels quand les la personne est à terre. Ah oui, donc il le détecte. Donc c'est un appel automatique alors. Ah putain, c'est pour le coup, euh, je peux rien dire hein, c'est euh, une très belle fonctionnalité. <laughs> Stéphane, une bague qui change de couleur pour les notifier pour être accord avec la couleur de ta voiture. Ben voilà. Propose ça à Stéphane lors du CES 2023. Non non, mais pour le coup, c'est pas bête. Maintenant, en fait, il faudrait qu'on se pose la question de l'usage des écrans E-ink qu'on pourrait peut-être dupliquer sur d'autres trucs. Hein. Tu pourrais, comme tu le dis, euh, en, en rigolant, mais le mettre sur une, une bague qui va changer euh, de blanc à noir. Mais on a aussi des écrans en fait euh, à, encre, euh, à encre noire. Alors du coup, pas à encre noire, mais à encre de couleur. Mais qui ne sont pas les écrans qu'on a euh, en face de nous. Hein. C'est des trucs qui sont, euh, qui sont évidemment plus légers. Euh euh, sur le Pixel 5, il y avait la même déjà, mais pas autorisée encore en France. Sur le 6, ça vient d'être autorisé pour la France. Mais ben écoute, moi, ça a été autorisé sur le Pixel 5 en France. Stéphane Legrand, super idée, la couleur de bague. Eh bah ben, tu vois. Et tu fais des émules, Stéphane. Live atinium, faut être ouvert à tout, Apple, Google ou autre, car chaque personne a son utilité dessus. Tout à fait. Sauf qu'après, c'est une histoire, encore une fois, d'écosystème. Tu commences avec une technologie et de cette technologie tu vas récupérer les les, ces accessoires dédiés, bah forcément tu auras, auras, auras plus de freins à aller sur, dans un autre univers. Je prends l'exemple des jeux vidéo aussi, c'est le même principe. Moi j'ai. La première console que j'ai eu après, euh, après la Nintendo, c'est euh, la PlayStation. Et, euh, enfin, après euh, la, la Super Nintendo, j'ai basculé sur la PlayStation 1 et forcément, tu vas rester bah, dans l'écosystème parce que tu as, as joué avec les licences de la marque et que tu aimes bien jouer à Uncharted, euh, euh, à Crash Bandicoot. Euh, enfin, j'en cite certains, enfin, certaines franchises de, 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 des studios de Sony, mais, mais c'est le, le même principe et du coup en fait j'ai jamais utilisé euh, Xbox et là je le redécouvre à travers du au travers du Xbox Game Pass qui est vraiment pour le coup euh, super sympa et ça c'est ça par contre les solutions de cloud gaming euh, sont vraiment des, des, des solutions qui vont pouvoir en fait euh, qui vont pouvoir euh, euh, qui vont permettre aux utilisateurs d'autres marques de découvrir en fait euh, les, 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 les 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 franchises des concurrents ça c'est vraiment euh, indéniable Stéphane, je vais déposer le brevet. Vas-y, 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 fonce. <laughs> Demain, c'est tard. <laughs> Donc, le Pixel a plus d'un an. Lol, juste, c'était pas autorisé en France à l'activer. Euh, dur de se comprendre. Trop déviant dans ton dos. Trop, trop déviant et du café. Bon, je vais vous mentir, je commence un peu moins fatigué, mais. Alors. Il y avait. N'hésitez euh, pas à me dire hein, si vous avez d'autres no euh, nouveautés, hein, parce que moi, j'ai pas regardé les, les résumés là, du CES, et je pense que je vais, je vais regarder peut-être ça ce soir un peu, euh, ou demain plutôt. Euh, moi, j'avais apprécié. Euh, mais je crois que les nouveaux avaient, avaient déjà tenté l'aventure, mais là, c'est. Euh, c'est Asus hein, qui se lance dessus. Euh, voilà, je l'ai. Et on va se lancer une petite euh, vidéo. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est le euh, Asus. Euh, le Asus Zenbook Lineup Highlight. Non, ça c'est la Lineup. Non, non, je veux pas le Lineup, pardon. Euh, je veux, je veux le Foldable d'Asus. Attendez. Oh, c'est fou. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ah, vous avez aussi les nouveaux hein, qui a sorti un second écran à la place d'un clavier numérique. Euh, euh, avoir ça aussi en termes d'utilité, ça fait bizarre. Hein. Et c'est vrai que c'est Asus qui avait d'abord investi sur ce genre de technologie euh, au départ. C'est le Asus Zenbook Fold. Fold 17. Donc j'imagine que ça du 17 pouces. Si c'est ça. Ouh, ça va, ça va être lourd ce truc-là. Hein. Ah. Alors attendez. Il y a de la publicité. Donc on est, on est je crois que sur Digital Trends. Donc comme vous pouvez le voir, eh Azus a sorti un euh, a annoncé en tout cas la future sortie euh, d'un laptop fold. Donc un peu à la manière du, euh, du Samsung Galaxy Fold. Là on est sur un ordinateur portable qui peut se plier comme vous le voyez ici. Et sur lequel en fait vous, vous allez pouvoir ajouter aussi euh, un clavier. Sauf que je ne veux pas voir la tête du monsieur, non pas que je l'aime pas, mais... Voilà, regardez-moi ça. Donc vous avez la, la technologie là au niveau de la, de la pliure, hein, je ne sais pas ce que ça vaut, encore une fois. Ah mais non, ça c'était ça. Ça c'était Lenovo. Lenovo l'avait fait déjà à l'époque. Donc en fait, il faut un petit récap. Voici celui d'Asus. Hein, on est d'accord. Donc là, les deux écrans que vous voyez, hein, c'est vraiment les deux sont, sont Fold. Hein. Hop donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez rajouter ce, ce clavier par dessus pour être vraiment, pour sortir du mode full tablette euh, à un mode, on va dire un peu de, de, de productivité. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez dans l'absolu. Euh... Moi, je trouve ça impressionnant en termes de technologie. Est-ce que en termes d'utilité, ce, euh, ce sera, ce sera super C'est une très grande question. Et regardez, alors regardez ça. Voilà, imaginez lorsque vous le pliez, ce que ça donne. Ah, je, disais, je dirais que ça donne une sorte de parpaing. Vous <laughs> quand même un gros truc. Hein. Euh, c'est même plus, c'est quoi euh... vous, vous voyez, hein. vous avez bien l'ordinateur qui est plié. Par-dessus, en fait, vous avez une sorte de surcouche qui vient gérer cette pliure. Et en plein milieu, vous avez également un, clié, donc qui, un clavier qui va se, se sticker. Donc euh, voilà, question, quid de... Euh... De l'utilité, est-ce que vous aimeriez avoir un truc de 17 pouces que vous tiendrez dans la main, qui soit tactile, etc. Euh, donc, moi, je fais le rapprochement un peu avec la, la Edipad 5 Chromebook, qui est simplement une tablette qui est droite, qu'on ne peut pas plier. Euh, dès que vous avez besoin de travailler, vous la repliez, donc vous coupez en deux, je sais pas, on arrive sur du. Euh, je grossis le truc, mais peut-être sur du 13 pouces, j'abuse. Euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez euh, de genre de techno est-ce que vous y trouveriez un usage À la limite, sur le Samsung Galaxy Fold, ça se comprend, parce qu'encore une fois, en termes de taille, c'est quelque chose qui doit être tenable et vous gagnez un tout petit peu en confort. Enfin, c'est intéressant lorsque vous basculez, surtout pour regarder des vidéos YouTube. Euh, mais est-ce que vous avez besoin d'un grand écran euh, lorsqu'il est déplié en, en mode 17 pouces Peut-être en écran secondaire qui ferait du coup un ordinateur portable, mais quid de l'utilité de l'ordinateur portable si, euh, <laughs> voilà, enfin vous devez vous trimballer deux écrans, j'en sais rien, voilà, enfin, j'ouvre je, je, un peu le, le sujet, euh, le sujet quoi, à voir, à voir, moi je, je trouve pas l'utilité euh, dans les médias, pardon. Euh, un petit changement dans la liste de lecture, il y a un bouton Ajouter l'onglet actuel, c'est pas CES, mais c'est sur Chrome. Lala. Ajouter l'onglet, alors... Euh... Ah oui, tu peux l'ajouter euh, dans tes euh, listes de lecture, ça c'est sur le côté, ça. démarrage je l'utilise peu, en fait, finalement, les listes de lecture. Bon, mais c'est parce que ça, c'est le manque de rigueur, d'organisation. Mais c'est intéressant, ça, ce que tu dis. À voir en termes d'utilisation, c'est un sandwich jambon beurre, cornichon et mayonnaise. <rire> <rire> Oh non, mais pas loin! Ouais, ouais, c'est un sandwich euh, euh, Intel Core. Euh... <laughs> non, mais to totalement, totalement. Ouais, mais c'est. Enfin, euh, c'est la comparaison, c'est marrant. Mais euh, ouais, toi, toi perso, non. Mais en tout cas, voilà. Je trouve que technologiquement, c'est toujours impressionnant. On arrive de plus en plus à des trucs qui, qui se plient. Enfin, on a les, les écrans incurvés. Je crois que Samsung a, a montré aussi un écran, je crois, allongé en, à la verticale qui est encore plus incurvé, si je dis pas de bêtises. Non, alors euh, raf non plus autant sur un petit format. J'aime la tech, mais pas sûr de, si, euh, de la taille. Ok. Attendez, j'ai juste ça. Peut-être le futur des ultra portables à écran euh, pliable. Peut-être, peut-être parce que là c'est vrai que, comme tu dis, c'est intéressant parce que tu dis ultra portable. Là on est quand même sur du portable, c'est grossier, hein. c'est grossier. Hein. Là j'ai l'impression en fait limite d'être sur la première version du Samsung Galaxy Fold. Alors que le Galaxy Fold maintenant quand même il a, il a, il a une très belle itération. Hein. Est-ce que vous avez d'autres sujets tech à aborder par hasard qui vous ont encore une fois impressionné il y, a eu, euh, il y a eu, je crois, euh, un robot. Un robot CES. Euh, attendez, je vais vous dire ça. Ah oui, enfin, si, il y a quand même des petits trucs. Euh, ah, ça m'embête, en fait, il y a plein de trucs. <laughs> j'avais vu, alors non pas un résumé, mais j'avais vu Samsung qui a présenté. Euh, euh, le, le futur produit qui s'appelle son futur produit qui s'appelle Freestyle et qui est en fait euh, euh, attendez je vais vous le je vais vous le mettre super il y a pas de pub parce que c'est déjà une pub en, 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 à lui seul euh, attendez hop regardez-moi ça on est en fait sur un projecteur projecteur qui est mobile autonome <coughs> euh, et qui peut être je crois dans l'idée placé un peu partout c'est l'objectif euh, qui va être capable aussi de, de gérer l'inclinaison de l'ocran. C'est assez marrant parce que là, je vous ai lancé la vidéo trailer et on voit pas du tout. Ah, le voici le produit. Il est déjà aussi un peu sexy. Donc, vous allez être en capacité en fait de diffuser un peu partout sur le plafond, sur le côté. Enfin, à partir du moment où vous, vous avez de la possibilité de diffuser, en fait, vous avez de l'espace pour diffuser. Euh, donc, il va être. Il a des bonnes enceintes de mémoire puisqu'ils le mettent en avant. Hein. Euh, C'est un truc euh, très portatif, mais avec une qualité euh, quand même Samsung et surtout aussi, voilà, ouais, vous pouvez le poser, positionner comme ça. Enfin, l'usage évidemment gadget. Enfin, je... est-ce que vous seriez prêt Voilà, la question aussi à vous poser. Est-ce que vous seriez prêt à le brancher <coughs> comme une lampe, donc comme une lampe euh, sous le plafond pour euh, projeter du contenu sur une grande table C'est <coughs> une grande question. Est-ce que euh, voilà. Parce que ça, c'est un usage. Moi, c'est vrai que là, quand je vois ça, ça me hype totalement. Mais j'ai pas, aucun moyen de, de, de pouvoir le faire à, à la maison. Donc voilà, mais c'est super intéressant dans, dans, dans l'approche. Donc ça change de couleur. Ah oui, ça fait aussi du coup lumière. Donc c'est une lumière connectée. C'est une lampe connectée. Et c'est aussi du coup un, un, un vidéoprojecteur. Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça embarque euh, tout le système. Euh, ce pas Smart Things, mais c'est euh, toute l'interface TV hein, que vous avez, c'est Smart TV, je crois. Je n'ai plus le nom, mais euh, de, de chez Samsung, vous allez le retrouver euh, là-dedans. Donc j'imagine aussi que c'est co connecté peut être utilisé comme un Chromecast. Enfin, chez Samsung, maintenant, ça c'est oui, tu peux caster du, euh, du contenu. C'est le freestyle. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. <laughs> Nouveauté, l'écran incurvé au CES, mais en format portrait, j'ai trouvé assez dingue. Est-ce que tu peux me donner le nom, Raph <coughs> Lavatinium, robot pour aider le handicap, je crois. Alors non, moi je crois que c'était euh, une sorte de, c'est euh, une sorte d'androïde. Euh, non, une personne qui, euh, euh, qui, était capable de répondre euh, à tes questions. Alors je sais pas jusqu'où ça allait, mais en tout cas t'as vraiment un mouvement de, euh, un mouvement des lèvres, le mouvement des bras qui est assez bien reproduit. Moi j'avais regardé une vidéo de Jojol qui avait fait, euh, qui avait fait ça et, euh, et donc qui, prenait, qui se prenait en selfie et euh, qui remerciait le robot et euh, le robot qui ré ré répondait you are welcome, j'aime bien les selfies ou je sais plus quoi mais en tout cas qui, euh, qui avait une ré réponse contextualisée <coughs> monsieur Michou le pc portable avec l'écran tactile en prolongement du clavier ah oui oui, ça c'est Lenovo c'est ce, ce que je disais tout à l'heure euh, moi ça ça m'a pas, euh, ça pas euh, hypé euh... alors attends c'est Lenovo je pense attends on va voir c'était pas... Euh... Bah technologiquement, oui, c'est toujours intéressant, mais... Euh... Quid de, de l'usage Même chose. Quid de l'usage C'est le Thinkbook plus génération 3. On va mettre N gadget. Je vais vous montrer ça. Waouh, il faut attendre 10 secondes. Attendez, je vais vous lire... Euh, bon, il faut voir la durée de vie de l'ampoule aussi. Tout à fait, là, il Bon, après, je pense que tu dois pouvoir la changer aussi. Hein. Ils vont avoir ça en accessoire. Ouais. Franchement, ça a l'air sympa projeter les vidéos Chromebook Live pendant que je suis sur une activité sur mon PC ou sur ton iPhone. Mais oui, tu vois, ça c'est intéressant, c'est un usage. David, non, bonjour les courbatures. Euh, là, un Bluetooth aussi, il le fait. Ok, Bachir. Oui, oh, il doit faire enceinte du coup, connecté. Bachir, pour jouer en famille ou entre amis, ce serait super sympa de projeter un jeu sur une grande table. Mais tu vois, te... c'est bien, Bachir, que tu rappelles ça, mais il te donne ça, il te donne l'exemple, t'es en plein camping en plein camping. Tu vas l'été, c'est portatif, c'est design. Ah euh... oh, putain, je vais finir par l'acheter. Faut, faut voir le prix aussi. Hein. Ça c'est sûr, c'est un truc qui va coûter 150-200 euros. Hein. C'est l'humanoïde. Merci Jean, je vois que tu as... Le design, on dirait Apple. Mmh, Dis pas ça, Julien. Je plaisante. J'ai vu sur un post un tas de jojol justement. Euh, tu parles de l'écran, je l'imagine. Bashir j'ai vu passer le Neo Xingzhu Plus. Bien sympa. Je vais le mettre là. C'est sur batterie ou filaire, Monsieur Jérôme euh, je peux, Non, non, c'est sur batterie, euh, Monsieur Jérôme. Enfin là, comme tu l'as vu, je n'ai pas vu de, de fil. Hein. Euh... Ah, voilà et voilà, Monsieur Michou. Sûrement pour ça que ça me plaît. L'humanoïde, le voilà. Je, je vais le prendre juste après. Euh, Jean-Michel, je vous, je, vous, euh, je vous balance. Euh, <coughs> Euh, le... N gadget hein, qui parle du Lenovo ThinkPad, N gadget qui est une super bonne chaîne aussi américaine sur la tech, je vous la conseille. Hein. Euh, donc on va vous juste voir quelques images. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un écran, un deuxième écran, un écran déporté qui est juste en bas à droite. On dirait vraiment une tablette pour le coup. Je le découvre en même temps que vous. J'avais vu vite fait des petites captures, mais là je, je regarde. Donc là j'imagine qu'elle doit nous raconter plein de trucs sur l'usage. Mais c'est censé être une sorte de second écran, mais euh, alors sur lequel vous allez pouvoir euh, euh, afficher du, du contenu, enfin une extension d'écran. Hein, comme vous l'avez avec un ordinateur portable et avec un écran à côté. Mais pour certains, c'est aussi une pro un prolongement de haut en bas, je crois, des applications. Donc tu lis euh, une page ou un bloc-notes, tu peux en fait l'afficher tout en haut sur le côté droit et le mettre tout en bas. Et évidemment, l'idée, c'est que les éditeurs aussi euh, poussent des fonctionnalités euh, plus spécifiques. Donc là, on imagine, alors ce n'est pas un Photoshop, mais ça doit être un Photoshop-like, que tu aies en bas euh, le, ton dossier photo là où tu veux rajouter ensuite ton contenu. Voilà, ce dont je vous parlais. Donc, un fichier Excel, hein, apparemment, euh, sur lequel vous allez pouvoir. Est-ce que vous allez le faire, ça, réellement, prolonger de cette manière-là le, le contenu C'est une très bonne question. Mais je sais qu'Asus avait déjà proposé ce genre de technologie, je crois, au niveau du pavé tactile, hein, ou pas loin, je ne sais plus exactement, euh, avec un petit carré euh, qui avait ce même objectif. Et Apple dans une moindre mesure, avait, vous savez, la barre qui était euh, tout au-dessus euh, euh, au niveau des touches de fonction qu'on a sur un sur un ordinateur Windows. Euh, et moi, j'ai un ami qui a le MacBook et qui me dit, ça ne sert pas du tout. Après, encore une fois, chacun, euh, chacun ses usages, mais je sais que par exemple, dans le montage vidéo, c'était intéressant pour pour euh, pour gérer par exemple une timeline. Donc. Euh Là, Tenium, Michou, Apple Addict, tout à fait, tu, tu as compris le personnage, euh, c'est Généreux qui est parfait, raf Odyssée Arc de Samsung, retiens-moi ça, Odyssée Arc, parce que là, il faut qu'on voit l'humanoïde, et ensuite Odyssée Arc, <laughs> la dame est inclue avec le produit ou pas ah, non, 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 ça c'est peut-être en option, je sais pas, monsieur, <laughs> alors, euh, là, je ne suis pas sur la bonne souris, ah oui, mais du coup, je ne peux pas te projeter ça, alors attendez, je vais essayer de récupérer le lien autrement, Attends, bah non, attends non, non, je vais taper humanoïde. Je peux pas récupérer ton lien en fait parce que tu l'affiches sur mon Chromebook. Et moi là, je suis en train de... Euh, euh, tin, 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 je suis sur le PC Windows quand je vous le diffuse. Hein. Ah bah, on va rester sur le parisien. Je pense qu'ils vont pas se plaindre au niveau des droits, je l'espère. Hop. C'est formidable de vous voir tous. Donc, c'est ce que nous dit bienvenu au pavillon britannique donc comme vous pouvez le voir vous avez quand même les, les lèvres ainsi que les euh, les, les joues qui euh, qui, euh, qui qui, 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 qui bouge assez précisément euh, l'idée c'est évidemment de retracer en fait un visage humain et des expressions selon selon différents contextes donc vous voyez hein, c'est assez, assez assez impressionnant et juste en dessous on voit finalement euh, toute la technologie hein. on n'est pas loin de cyberpunk en hein, 2077 on va y arriver. Tumanoïde est capable de reproduire des expressions du visage humain. Bah voilà, Ça, c'est vraiment apparemment la grosse caractéristique grâce à 17 moteurs individuels dans sa tête. c'est fou. Ou de faire des mouvements de base assez naturels. Ah oui, donc euh, comme vous, vous, vous voyez, il hein, y a les textures qu'on qu retrouve sur le visage qui sont aussi au niveau de la main. Donc peut-être que la main a des, euh, a des moteurs physiques qui sont encore euh, aussi précis qu'on a sur, euh, au niveau du visage. Et si je peux, je pourrais te demander de nous montrer ta routine sportive. Je viens juste de la faire. Ok, bon, bref, elle viendrait. Non, mais je pense qu'après, bon, euh, ça, ça va peut-être prendre, prendre du temps à ce qu'il y ait une vraie, euh, une vraie IA autonome. Et on va me faire voir des exercices maintenant. Ce serait super. Montre-nous tes mouvements. D'accord, reculez-vous. Oui, bon, après, c'est des exercices un peu de yoga. Mais comme vous voyez, hein, les mouvements sont très fluides. On a le, 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 le pouce qui est plié. Ouais, c est, c est, bon, ça, ça reste quand même impressionnant, mais on avance, on avance avec le temps. On avait déjà vu des, des humanoïdes il y, a, il y a quelques années où on trouvait ça déjà impressionnant, euh, qui, qui pouvaient répondre au travers de l'intelligence artificielle certains contenus. Là, je pense qu'on a, avec le machine learning et tout, tout enfin finalement, le, le temps qui passe, hein, et qui fait qu'il euh, y a des spécialités qui se, qui se développent, et combinées ensemble, arriveront à fournir un humanoïde euh, très proche de l'être humain. Et donc, on, on arriverait à du cyberpunk. Quoique sur Cyberpunk 2077, on est aussi sur du transhumanisme. Du transhumanisme. Euh, oui, Michou, attends. Euh, alors, attendez, attendez. Euh, la touch, oui, Live Athenian, la touch bar d'Apple, tout à fait. C'est ça, c'était le bon nom, merci. Raph Asus a déjà les mêmes choses, c'est juste la disposition qui est, euh, qui est haute sur le nouveau. Bah voilà, merci pour le rappel. Oui, c'est vrai que le touch, le touch bar n'était pas top, mais là, on peut faire plus de choses avec l'écran sur le côté. Ouais, c'est ça. Jean-Michel, je peux pas regarder ton lien, je sais pas si c'est le... Oh, attends, attends. Non, bah moi, ça m'a fait bugger le contenu. Alors, attendez, hop, on va revenir là-dessus. Je reviens sur le chat, hein. je vous ai perdu pendant quelques secondes. Euh, Raph, quoi, tu es sur un PC Windows plus une vidéo Apple, ça commence vraiment à devenir n'importe quoi tout ça. Ah, c'est fini les Chromebooks, hein. j'arrête, j'arrête. <laughs> euh, c'est quoi comme... Euh... Quoi oui, c'est comme dans le film Irobo, e ouais, c'est ça. Je ne suis pas pressé bah d'arriver à l'ère des humanoïdes, ça ne ça me fait pas rêver. Bah là, je suis d'accord avec toi. Moi, ça après, c'est la technologie qui est impressionnante et l'évolution qu'on en a, qu enfin qu'on qu qu constate en fait. Mais je suis assez d'accord avec toi, on ne sait pas où ça va aller. On va rentrer dans une matrice. Euh, espérons qu'il soit moins bugué que Cyberpunk. <laughs> Belle remarque, Michou, tout à fait. Alors là, je pense qu'il sortira, il y aura une première version, puis après, il y aura des patchs. <laughs> C'est un juste un microcontrôleur derrière pour l'updater. Pour Espérons qu'il soit moins... Non, pardon, le gravier-robot, on y est presque. Il a un rond comme euh, Iron Man, c'est incroyable quand même. Remarque, si le robot fait le ménage, la cuisine... Ah bah écoute, on a déjà quand même les robots aspirateurs hein, qui se démocratisent de plus en plus. Euh... Donc, euh... Donc ouais, enfin on euh... n'en est pas loin, hein, clairement. Tu, tu peux imaginer combiner ça hein, avec un une, une humanoïde. Bon, après, je pense que ça ne va pas être le plus efficace possible, mais bientôt plus de problèmes avec euh, nos femmes. Je veux une aérobo e aussi. <laughs> Jean-Michel appelle un petit rappel c'est la pomme qui se fait manger par un verre Android. Tout à fait, tout à fait. Allez, je vous laisse clasher ensemble, euh, messieurs. <laughs> Alors, attendez, je vais reprendre juste Michou. Je crois que c'est toi qui m'avais parlé du Samsung Arc, non Ou c'est Raph Attendez, je vais regarder rapidement. Je crois que c'est ça, Samsung Arc. Ouh là là, il est déjà 23h15. Ouais, écoute, je pense, écoutez, je pense qu'on va, on va regarder le Samsung Arc, puis on va se, on va se laisser là-dessus. Euh... Attendez, attendez. C'est le Arc, c'est ça ou pas Celui qui avait, euh, qui avait écrit sur le, sur le chat, je vois plus. Euh... Attendez, je vais essayer de retrouver ça. nouveauté écran incurvé, CES, mais en format portrait, j'ai juste trouvé ça. C'est dingue, non, c'est pas ça. Alors, je... Comme par hasard, quand on cherche quelque chose, on n'arrive pas à le trouver. Ah, Odyssey Arc de Samsung. Comme tu me disais, euh, Raph. Odyssey. Je me disais bien, c'était pas Michou qui allait parler de, de Samsung et d'Android. Voyons. Euh... Ah, Odyssey Arc, ok. Arc ARK. Euh, tada tada tada. Massive. Bon, on va attendre juste la publicité à nouveau. oui écran disait, ça va se finir comme à La Terminator. <laughs> Michou avec son iPhone 5S. Moi, parler de Samsung, tu dois te tromper. <laughs> ah là 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 là. Le monde de Odyssey Arc de Samsung. Merci Bachir. Euh, allez hop. Je vous affiche ça. Donc là, c'est vrai qu'ils avaient... Alors, regardez, attendez. Il y a un truc quand même qui est intéressant, avant même de parler de ça, c'est que les nouvelles Smart TV et les écrans donc, qui en fait euh, embarquent l'interface TV de, Smank, de, de, Sm... oh là là, de de Samsung qui sortiront en 2022 auront une interface qui va être mise à jour et surtout un gaming hub si je dis pas de bêtises. Et qu'est-ce qu'on voit dans le gaming hub Eh bien, une agrégation en fait, des contenus jeux vidéo. Euh, donc ça veut dire que si vous avez des, euh, des, euh, des consoles qui sont connectées en HDMI sur euh, les Samsung TV, déjà aujourd'hui, elles reconnaissent... Une Switch, une PlayStation 5, donc ça, ça va être évidemment mis en place. Et comme vous pouvez le voir, vous avez console 1 et console 2 en icône. Vous avez YouTube, parce que dans YouTube, vous avez aussi une partie gaming hein, pour regarder, etc. Mais vous avez aussi, c'est un agrégateur en fait de contenu euh, cloud gaming. Donc c'est pour ça que vous avez Utomic, vous avez, que je connais très peu, vous avez GeForce Now et tiens, vous avez également Google Stadia qui en plus on a, en, en contenu sponsorisé tout en haut euh, à gauche. À noter qu'on n'a pas Xbox bizarre ça. Euh, et donc en dessous, vous avez les jeux populaires. Donc je pense que ça, c'est ce qui en ressort en fait de l'agrégation de ces contenus, comme le Google TV hein, qui vous agrège les contenus d'Amazon, de YouTube, de Netflix, de Disney, etc. En tout cas, ça c'est intéressant de noter. C'est-à-dire qu'on pousse le cloud gaming au travers des TV Samsung. Je pense que Google aussi a poussé euh, <laughs> Samsung à intégrer, à intégrer euh, Stadia. On va arriver, je pense que ça doit être ça. Alors, l Odyssey Arc, comme vous le voyez, donc ce que disait Raph, on est sur un écran qui est, euh, beaucoup, qui est très incurvé. Je pas les, ensuite les références techniques, mais qui, je crois, qui est très allongé aussi à, en, à la verticale. Vous voyez Live Gaming Hub, voilà. Donc j'avais avec les applications de streaming, sauf Xbox pour le moment. Intéressant. Et oui, oui, Michou. Du coup, en fait, euh, euh, voilà, regardez. On est d'accord hein. que c'est bien une, une seule télé. Hein. Enfin, c'est un, un seul écran. Hein. Euh, euh, mais en gros, au lieu qu'il soit à l'horizontale, vous le mettez en fait à la verticale. Quoi. Mais après, je crois, en termes d'ergonomie, il, euh, il, est, il est déconseillé d'avoir un, un écran trop placé en haut. Enfin, imaginez, c'est-à-dire que vous êtes obligé de rester constamment comme ça. Je crois que c'est... Il me semble qu'en euh, termes d'ergonomie, le travail, etc., c'est... Euh, c'est pas forcément conseillé, si je dis pas de bêtises. Et les TV en 1440 Hz. Waouh, on va très loin. On va très loin. En fréquence d'image, ouais, là, ça devient. Euh, ouh. Cette version sortira courant 2022 pour la Games, Comme tu dois penser, non 2022 à voir pour la game. <laughs> Alors, qu'est-ce que tu voulais dire là, Parce qu'il te manque un mot, puis ensuite, tu me parles de 2020-2022. Attendez, on va voir, est-ce qu'ils en parlent un peu plus ou pas? Non, donc voilà, c'est ça. Donc Moi, je pensais au départ, j'avais vu quelques images, je pensais que c'était une combinaison de plusieurs écrans, mais bon, euh, une facilité de connexion. Mais là, apparemment, c'est un seul écran, on est d'accord? Ouais, ouais c'est une seule, c'est les bordures assemblées, euh, mais bon, ça reste effectivement impressionnant. Euh, Raph, ça, c'est un écran en portrait incurvé, il est magnifique et l'ergo ne pose pas de problème. Bah après il faudrait peut-être effectivement que tu recules un peu plus avec te, ton siège pour pouvoir apprécier on va dire la, la hauteur quoi Hop. Ah il se met dans les deux formats donc c'est à dire qu'en fait il est euh, je vais appeler ça il est 360 euh, tu peux le mettre en horizontal et en, en vertical. La gamme des téléviseurs Samsung, la gamme, pardon, oh, ok, ah, je pensais que tu parlais euh, game, enfin ok, ok, je comprends, donc cette version sortira courant 2022 pour la gamme 2022, à voir pour la gamme 2020, 2021, ok, donc pour la nouvelle gamme, tu veux dire, de téléviseurs, euh, enfin, ou de moniteurs 2022, ok. Bon, en tout cas, ça c'était, il euh, y, 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 y a pas mal de choses, en tout cas, intéressantes qui en sont sorties euh, du CES 2022, donc vous avez vu hein, sur la partie Chromebook, on en a on en a parlé en début euh, d'émission. Euh, ça bouge, ça bouge, ça se met à jour technologiquement parlant. On a quelques innovations, on l'a vu avec euh, avec HP. Donc on va, on, va, on va voir comment ça va se euh, ça s'étoffer euh, dans le temps. Qu'on n'attende pas forcément chaque année les CES pour avoir des, des, des nouveautés. Je dis pas que c'est toujours le cas, hein, mais j'espère qu'entre temps un Lenovo ou bien un Acer, conti... enfin un Lenovo puisse nous nous, nous sortir des nouveautés et qu'un Acer Contribuent comme ils le font euh, à chaque fois avec des, des nouveaux Chromebooks. Euh, en tout cas, euh, et après là sur les, nouveaux, les autres nouveautés CES, là en fait, finalement, je suis en train de me hyper sur le freestyle. <laughs> je vais pas vous mentir, le freestyle me, me tend très bien, même si euh, finalement j'ai l'impression que ce serait plus gadget qu'autre chose. Mais, mais, euh, mais ce n'est pas non plus le vidéoprojecteur que tu vas trouver sur Amazon, euh, le vidéoprojecteur chinois qui est pas forcément mauvais. Hein, mais euh, là, je pense qu'on va avoir une garantie en termes de qualité, de finition, euh, qu'elle soit extrêmement qu'en termes d'un point de vue logiciel donc c'est vrai que ça, ça, ça me hype pas mal le freestyle hein. eh, grâce à vous là c'est bon je m'en suis ressorti c'est ça un écran portail euh, oui c'est ça sur une rotule <laughs> oui oui bon il se fait tard je dois suspendre mon linge et pas de e robot en vue chez moi à mise à jour de l'interface Dyson. merci Fred encore une fois pour super soirée et bis à, à tous et à bientôt Écoutez, moi aussi, je vais vous laisser parce que euh, il se fait tard, il se fait manger aussi parce que j'ai pas dîné comme d'hab, euh, et puis euh, j'ai une longue journée demain euh, qui m'attend. En tout cas, ça a été encore une fois un plaisir de se faire ce premier épisode de 2022 qui est le 13e euh, au total, on a été je crois pas loin des je sais pas si on a atteint un pic de 50 utilisateurs de spectateurs en simultané mais encore une fois merci pour votre présence là je vois que vous êtes une une vingtaine toujours connectés alors que après euh... On est à quoi là? 3h de live, ouais. 21, 22, oui, si je, je comptais, 2 heures plutôt, 2h23 euh, deux heures, deux heures euh, minutes euh, de live. Donc euh, encore une fois, merci à tous. Merci Jean-Michel Dubois, bonne nuit les petits, bonne nuit à toi. <laughs> T'as le droit de l'écrire, mais on n'a pas le droit de le diffuser. Merci à toi, Michou, encore une fois, pour ta présence et ta sympathie et tes petites blagounettes. Hein, on a besoin de, de faire des blagues euh, régulières. Ah oui, et si, et si à la, quand je ferai ce que je vous propose... Euh, c'est peut-être euh, pour des futures vidéos que je vais réaliser, si vous avez des idées de mots ou d'expressions que vous voulez que je place dans les vidéos, ça pourrait être sympa comme challenge. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit euh, trop tordu ou insultant ou autre, mais c'est à ça que je pensais tout à l'heure. Si vous avez des, des mots un peu précis que je dois placer dans une vidéo, je, ça peut être marrant si je me lance à chaque fois le défi de le mettre. Comme ça, en fait, vous pourrez retrouver le mot en question. Bref. Voilà, c'était une idée que j'avais eue à un moment. Si vous avez des petits trucs, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires de vidéo en me disant Eh, hey, tiens, essaie de mettre ce mot-là pour la prochaine vidéo, mais un truc un peu, voilà, qui soit un peu challenging, etc. Comme, en fait, ça me fait penser à Caméra Café pour ceux qui ont suivi ça. Euh, je crois que c'était avec le défi autant que faire se peut qu'il fallait placer. Alors, évidemment, ce n'est pas le plus dur à placer, mais bref, bref c'était un petit, un petit délire. Si vous avez ça en tête, n'hésitez pas. Merci à tous, David Bachir. Euh, Jean-Michel, Michou, Raph, Live Athenium, euh, Clem, euh, Apple non. Oh, putain. Si je suis Apple, je peux facilement le placer. La même fin, mais en la même fin, mais en zoom. Qu'est-ce que tu veux dire en zoom Dédicace à Michou. <laughs> Allez, je propose à Ouh là là, tu vois déjà, j'ai du mal à le dire, mais bon, ça c'est il y, y a la fatigue. Je le note, je le note, euh, Jean-Michel. <laughs> Ça va me forçait à, à, à travailler encore plus. Bonne soirée à tous, encore une fois. Bonne nuit et euh, bon courage pour votre journée de demain. Allez, ciao, bye bye.